Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour ce stream sur Oulicube. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon jeudi. Nous sommes jeudi et nous sommes le dernier stream de l'année en ce qui me concerne. Et oui, demain soir je ne streamerai pas et du coup on se retrouvera seulement l'année prochaine. Et donc pour ce dernier stream de l'année, on va frapper fort, on va faire quelque chose que vous attendez depuis au moins une semaine et demie. On va commencer vraiment de poser les premiers blocs du projet perso, la cité volante steampunk inspirée de Aircraft Kingdom ou un truc comme ça, Airborne Kingdom, cité volante basée sur le vent steampunk. Voilà, à la hype, exactement. Et du coup, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Salut Force, salut Mickaël, salut Samduk, salut Charivari, salut Popcorn, bienvenue Emrinves, salut Stick, salut Loulou, bienvenue à toutes et à tous. Salut Zippo, bienvenue à toi sur le stream, bienvenue. Et on va prendre le vent, exactement. Alors j'ai plein de choses à... Et salut Mimich, j'ai plein de choses à vous montrer, des petites choses annexes au stream, mais qui me font plaisir. Regardez-moi ça. Salut Mister Mashiro, à quand la fin du lac? La semaine prochaine, je pense. Très clairement, là, ça y est, les coffres ont été virés. Il n'y a plus que les vaches. On va pouvoir finir de remplir le lac la semaine prochaine. Regardez-moi ça. Alors, vous la voyez en miroir parce que mon image est inversée. Mais je pense que vous devinez ce que c'est. Et oui, c'est la tasse Oulicube. Yes. Voilà, je l'ai reçue, je suis trop content. Je suis trop content. J'ai reçu un t-shirt aussi, je le mettrai dès que je pourrai. Et je l'ai mis au lavage. Donc voilà, c'est la tasse Oulicube. Vous aussi, vous pouvez avoir cette jolie tasse. Merci, merci Mimich. Le but de l'argent ainsi récolté et d'organiser une rencontre IRL des Oulicubiens. Donc vous savez qu'il y a des Oulicubiens qui viennent de très très loin du Québec, etc. Donc voilà, ça coûterait extrêmement cher de faire venir tout le monde. Du coup, c'est pour ça qu'il y a cette petite cagnotte. Vous avez des goodies, des petites choses bien sympathiques. Et en même temps, voilà, vous soutenez l'organisation de cette rencontre. Si jamais il y avait des sous pas dépensés, les sous seraient reversés à une ou plusieurs associations. Donc voilà, c'est ça, voilà. Donc la tasse, elle est classe. Elle est classe, la tasse. Après, c'est une tasse, tout ce qui est de plus tassesque, elle est étanche hein, et c'est quand même bien pour le bureau. Donc je vous encourage, voilà. Une tasse de plus, exactement. J'ai eu de nouveaux cadeaux de Noël. Voilà. voilà. Oui, elle est plus pratique que celle d'hier, la tasse, ça c'est clair. Donc, j'aimerais bien qu'on le monte ensemble. Donc je sais pas, on verra. On se fera peut-être un petit stream Lego. On verra. Oh, genre le côté obscur, oh, avec un casque. Donc on verra, c'est pas fait encore. Parce que le soir, les Lego, ça fait trop de bruit. Donc on verra. Sinon,
pour revenir regarder un petit peu. Première apparition de l'année, il me semble, pour la Orana Cam. Je crois que vous n'aviez pas encore vu cette partie-là du setup avec Orana Cam, le petit cadre que j'aime bien. Donc voilà, le petit cadre de la Orana Cam. Et oui, parce que ce soir, on va commencer à record avec le replay mode, hein, puisque je vais essayer de record toute la construction de la base. On verra si je fais mieux que la dernière fois, si je fais un timelapse avant la fin de la saison, voilà. Et on verra bien, on verra bien. Mais avant ça, vous saviez que j'avais acheté des Elytra et je me les suis fait livrer. Donc Vartak m'a livré en Elytra, donc j'ai des belles Elytra. On va aller tout de suite, j'ai plus beaucoup de diamants par contre, hein. On va aller tout de suite chercher des fusées et donc nous allons passer un pacte avec le diable. Nous allons nous rendre directement dans la zone commerciale où il y a eu encore énormément de choses qui ont avancé et on va signer le pacte. Le pacte. Sachant que vendre mon âme, c'est un peu ça. Surtout ma tête dans un premier temps. Sachant que Davlek il est en vocal, donc on pourrait peut-être le rejoindre pour ça. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Roi, il a bien avancé sur la salle des coffres, vous allez voir. Davlek a déplacé. Eh, hey, ça commence à se cuivriser. Vous voyez, hein, il n'y a vraiment plus beaucoup de coffres. Je peux vous montrer. Il n'y a quasiment plus de coffres ici. Et en plus, Davlek a déplacé la ferme à fer. Il l'a reconstruite plus loin et elle fonctionne bien. Donc, clairement, Davlek a vraiment beaucoup bossé pour la faction. C'est super cool. C'est super cool. La montagne a été un peu rasée ici. J'ai rien fait là pour le coup, j'ai rien fait. C'est pour ça que ça serait bien que la semaine prochaine je file un coup de main et que on se... peut-être... Enfin, je dis la semaine prochaine, mais ça pourrait être dimanche, hein, en vrai. On verra. On pourrait éventuellement continuer l'inondation de la vallée. Ça serait pas mal. Oui, alors cet échafaudage, je ne connais pas tout le détail, mais... Je réfléchisse aux prochaines usines d'ailleurs. Hey, coucou Dave. Est-ce que sur la roue? Non. Non, ça va pas du tout. Alors attendez. Voilà. Est-ce que tu m'entends, Davlek? Yes, je t'entends. Ça y est. Eh bah, tu tombes bien. Je tombe? Enfin, c'est moi qui suis tombé là à l'instant. Ah. Comment vas-tu ce soir? Bah écoute, très bien. Impeccable. T'as vachement et bossé le chat sur ouais. Pour les coffres et pour la ferme à faire, c'est cool. T'as vu ça un peu? Yes. Dans le chat, il y en a qui disaient que je travaillais. Est-ce que j'avais fait des choses pour la faction? Je dis mais attendez, il y a ça, 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 il y a ça. Pendant un quart d'heure, j'ai fait la liste. Bah oui. Alors. Oui. Pourquoi il y a une bagnole? Je pense bagnole... qu'ils ont vu surtout la vidéo où je fais du surf. C'est pour ça qu'ils ont. C'est peut-être ça. C'est toi qui as garé ta voiture dans la salle des coffres? Tout à fait. D'accord, la ouais. Dave mobile. Non, c'est la Red Tox mobile. Ah. C'est mon secret de Santa. D'accord. Et oh. Comme il adore les voitures de course, je suis en train de lui préparer son petit cadeau. Bon, pour l'instant, j'ai rien mis dedans, mais. Eh ben, écoute, elle est chouette, hein. Ouais. Très très chouette. Oh, ouais. Faut que je me rappelle comment on fait un loup, mais je vais essayer de faire une bannière pour. Et salut Nico Seven, hello. Et du coup j'étais en train de dire à mes viewers que ouais. Ça y est, j'avais des Elytra toutes neuves, flambant neuves, je ne m'en suis pas encore servi. Ah. Et donc bah voilà, ça y est, je suis prêt, je vais aller signer le livre. Voilà. Ah parfait. Une petite âme en plus. C'est ça. Alors il se trouve que j'ai une tête d'avance, mais pour l'instant je me dis que je vais garder ma tête. Et peut-être, on ne sait jamais, peut-être que j'en aurai d'autres un de ces jours à te filer. Je peux t'arranger le coup, hein, si vraiment... non, non, mon coup va très bien, je te remercie. Je te remercie, je vais garder la tête dessus. Bon. Mais si jamais tu meurs plus jamais de l'aventure, bah tant pis, hein, j'aurais perdu le contrat et puis voilà. Hein. Mm-hmm. Ouais. Mm-hmm. Ah, écoute, moi j'aimerais bien rester bloqué à 5. En plus... Ah, t'as eu une mort de plus toi aussi. Oui. Mais voilà.
je dis ça depuis une semaine et finalement le compteur progresse pas de jour en jour, mais presque. Donc, Oui, bon, ça fait quoi deux une mort tous les semaines, 3 jours là, ouais, c'est ça? ça fait 2 semaines demain, donc ouais, c'est ça. Alors, surtout avec les heures et les heures de jeu qu'on a au début, ça va. Ouais, après ce qui va être chaud, c'est enfin ce qui va changer un peu la donne, c'est les élytras justement, parce que je suis mort de chute plusieurs fois. Donc là, je vais moins chuter. Enfin, j'espère. C'est ça, Surtout que ce on espère. soir, je commence ma cité volante, donc ça y est, je vais me percher sur des échafaudages de folie, Oui, donc bon, j'avais besoin t'es un des peu élytras. au-dessus de l'eau ou pas? Pas du tout. Ah, Non, non, je ouais, suis au-dessus bon, des ça arbres, va être. donc voilà. Parce que moi, mon premier vol, c'était tout à l'heure au niveau du spawn, et avec les légers lags, c'était un peu compliqué parfois. Ça ne me Donc, bonne rassure pas. chance. Bon, allez, je te laisse, je repasserai de toute façon par ici. Allez, à Allez, bientôt. à bientôt. Oh, oui, à bientôt. Ouais. Là, je ne chuterai plus, je tomberai avec panache, exactement. Exactement. Si, Dave, il a énormément bossé, hein. C'est lui qui a réaménagé ici tout le Nether. Pour qu'on puisse avoir des couloirs à la bonne hauteur et que ce soit beaucoup mieux disposé. Donc pareil, moi j'installerai mon portail dès qu'on aura une petite structure suffisante dans la cité volante. Je mettrai pas mon portail au niveau de la petite réserve hein, que j'ai aménagée, mais je mettrai bien mon portail dans la cité volante. Et ça va me faire plaisir quelque part d'être relié dans l'overworld aux autres projets, parce que c'est vrai que dans l'End j'étais un peu isolé. Là les gens vont pouvoir venir voir plus facilement, même si ce sera sûrement uniquement à l'occasion des World Tours, mais ce sera quand même plus simple. Ça fait plaisir. Du coup, bienvenue à tous ceux qui sont arrivés pendant notre petite discussion avec Davlek. Hop. Oh là 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 là, mais il y a plein de trucs en plus quoi. Alors déjà, Boîte à Meux, il a fini son shop, donc je voulais aller le voir. Oh là là, c'est de toute beauté. Je retourne à la boîte à meux pour 2000 points de chaîne. Coffre à dons pour nos vaches. What? Retourne la boîte à meux pour 2000 points de chaîne. Ok. Martine, vieille et sénile, on la sort de temps en temps. Ok. Marguerite, jeune et vivace, elle a de la voix et aime les câlins. Ok, très bien. Ah, cool, force. Petit shop, oui, je devrais pas dire petit parce que. Mais ouais, le mélange des couleurs, le boîtier, c'est construire. Y a pas. Ah, par contre, là, vous voyez, là, moi, j'aurais un léger reproche à faire sur la présence de bouse sous le bois, moi j'aurais remis du bois en dessous. Voilà, je critique, je critique. Je triquite fort. Par contre, ce que j'adore, c'est ça, là, l'utilisation des barrels pour faire les piles. Je trouve ça excellent. Sympa, ça, les écuries. Ouais. Ah oui, d'accord. Ouais, c'est en construction. Donc c'est pour ça qu'il a mis les barrières supplémentaires. Ok. Ouais, non, mais c'est très sympa. Hein. Il avait dit qu'il ferait appel peut-être à Mayu et Edo pour la décoration intérieure, donc je comprends. Non, c'est très très chouette. Hein. Deux diamants la selle, offre spéciale. Et donc, du coup, c'est un diamant le stack, hein, c'est ça. Hein. Charolais AOP élevé en plein air, un diamant le stack. Écoutez, on va. Alors, il aurait dû mettre par contre des. Bah, je vais. Hop. On va lui en prendre une qu'on va payer, même si pour la faction c'est gratuit, mais voilà. Au moins j'aurais payé mon premier hop, stack de bouffe. Voilà. J'aurais peut-être pu le renommer. Tiens, je vais renommer ça. Est-ce qu'il y a une enclume quelque part? Il n'y a pas d'enclume? Ah. Où est-ce qu'on peut trouver des enclumes? Ah, ça va pas être évident ça. Là, il y en a.
Ouais, faut penser. Peut-être qu'on ne devrait pas avoir ça. Merci pour le cadeau. Oran, il part sans payer. Mais non! Je pars pas sans payer, je veux renommer mon diamant. Où est-ce qu'il y a des enclumes? Alors ça, c'est tout nouveau. Agristonx, pommes et carottes. Tout en ce... La tête de Zanzag. Pommes dorées, 8 pour un diamant. C'est pas cher. Carottes dorées, 32 pour un diamant. C'est un peu cher. Ici, c'est une nouvelle boutique de quartz. Shop de quartz même plus rentable que le mec à gauche. 2 diamants, le stack de blocs de quartz. Ok. 2 diamants, le stack de blocs de quartz. 2 diamants, le stack de blocs. Ouais, c'est un peu cher. Où est-ce qu'il y a des enclumes? Là, il y a des enclumes. Donc, on va l'appeler. Diam de Oran. On va faire ça comme ça. Diamant de Oran. Voilà. En fait, j'aurais dû tout renommer. Bon, c'est pas grave. Bienvenue, Kotusai. Bienvenue. On m'a offert aussi, aujourd'hui, le Papa Noël a été très généreux, on m'a offert aussi le jeu sur PlayStation Ghost of Tsushima que je souhaitais avoir depuis un moment pour compléter ma collection de jeux auxquels je n'aurais pas beaucoup de temps pour jouer, mais qui sont géniaux et qui font partie des classiques sur PS4. Donc, hop. J'avoue que j'ai juste installé le jeu ce soir et j'ai regardé le début et c'est magnifique. Bon, la cité, elle est magnifique, hein. La cité, elle est splendide. Enfin, la cité. La zone commerciale. Du coup, cette échoppe vous propose d'accéder gratuitement au trésor qu'elle recèle en échange d'une simple acceptation du contrat dans le barrel joint. Merci de signer celui-ci et de le déposer dans le chest adjacent, bien à vous. Je certifie par le présent serment, accepté en échange d'un accès libre à cette échoppe et pour mon usage personnel uniquement, de remettre lorsque le moment sera venu ma tête au propriétaire obscur de ce pacte. Signe. Oran. Attention, l'île n'est plus modifiable une fois-ci. Voilà. Et ça y est, j'ai signé. Ouh, j'ai accès aux fusées. Donc je peux en prendre. Je vais en prendre. Hop, je vais en prendre un peu. Je vais en prendre. Voilà, 3 stacks que je vais glisser. Voilà. Dans mon. Et à moi. À moi le vol. À moi le vol. Quelle page 66? Pas de quoi vous voulez parler. Personne ne lit les petites lignes, voyons. Bah évidemment, il n'y avait pas de petites lignes, je sais pas de quoi vous parlez. Bon bah voilà, on a le fly. Ah trop bien, le golem, il est de toute beauté, je l'avais pas vu fini. Ça y est, on vole, les amis. Waouh! Il est superbe! Merci pour tous les follow. Il est magnifique. Est-ce qu'il est futur boutique? Ah, il est pas encore. Ah oui, alors. Oh, si, il est presque fini. Mais c'est pas encore ouvert. Mince, parce que j'aurais besoin de faire un peu. J'aurais besoin de faire un peu. Bon, les ouf, on rentre à la maison. Hop, hop, hop. Le golem changera-t-il de sexe cette saison? Il avait changé de sexe la dernière fois? Mais il avait juste eu la tête la dernière fois, mais c'est ça. C'est ça, c'est ça. Et bonsoir, monsieur Auré. Bonsoir. Il a pas son push to talk. Il a pas son. Hop.
Du fer pour quoi faire? J'en ai besoin un petit peu pour des barrières et je crois que c'est à peu près tout. Bon, avec les élytras quand même, on se sentira plus en sécurité pour construire la base volante. Hein. C'est clair. Clair et net. Davlek est un honnête commerçant, donc il n'y a pas de danger. Exactement. Exactement. Bon, du coup, aujourd'hui, j'ai joué cet après-midi et j'ai été farmer du Dark Oak, du Spruce, j'ai cuit du Quartz, j'ai cuit du Grès donc j'ai fait plein de petites choses. Et salut Célia. Dans mon village ? Utiliser les formes. Ouais, c'est ça. Oh bah, j'y suis souvent. Je pense que la live... Bon, heureux. Et coucou boîte. Et coucou Oran. Bah je me sens léger maintenant que j'ai défusé, ouais. Voilà. Et puis tu vois, je me sens à l'aise aussi avec le fait d'avoir signé. Voilà. Ah, tu te sens un peu plus léger, t'as quelque chose en moins là, non? Ouais. Comme je... ton ouais. âme. Mmh. Ouais, c'est ça, voilà. Bon, je vous laisse, je m'en vais. Tiens Oran, si tu as faim, vas-y, pars. Hein. Ah merci boîte. Ah super. Alors c'est Marguerite ou c'est l'autre? C'est les deux à la fois. Et plus même. Ah excuse-moi, j'ai pas entendu. Leur descendance. Ah oui d'accord, ok. Ouais. Leur petit... Allez, je t'en prends 3 stacks. Sachant que pour le symbole, je t'en ai acheté un dans ta belle boutique qui vient d'ouvrir. Oh c'est mignon. C'est mignon, t'es adorable. Donc non seulement j'ai vendu mon âme, mais en plus j'ai acheté de la bouffe. C'est génial. On fait des affaires à la zone commerciale, hein, c'est... ouais, ou pas. C'est ça. Merci à toi. Bon allez, je vous laisse, je file. Oui. Je file, ça, regardez, attention. Je file en élytra. Regardez comme c'est rapide maintenant. C'est quand même chouette. Vraiment sympa là, ce mode, pour le coup. Ils n'ont rien vu, c'était trop rapide, exactement. Trop bien. Du coup, nourriture, on va mettre ça ici. Hop, voilà. J'ai toujours des seaux importants parce que j'ai toujours plein de trucs à cuire. Hop. Donc je vous disais, hein, grès, voilà, j'ai fait du grès lisse. Quartz. J'ai fait du quartz aussi, j'ai fait des dalles. Et alors? Là, il faut qu'on parle d'un scandale, mais je vais d'abord ouvrir au chat. C'est honteux. C'est... J'accuse. Je dénonce. C'est... Regardez-moi ça. Bloc de cuivre. Si je fais ça dans mon inventaire, j'en récupère 4. Donc, j'en récupère 4 par bloc, donc j'en récupère 16. Logique. Vous ne rêvez pas quand on fait... Quand on fait ça, on en récupère, mais 4 fois plus. C'est un bug, c'est pas possible. Enfin, c'est un bug. C'est un oubli. Qu'est-ce qu'ils ont... Mais what? Qu'est-ce qui leur a pris chez Mojang de faire ça? Donc en fait, là, jusqu'à présent, tout ça là, je l'ai farmé en le faisant dans mon inventaire. Et donc, j'aurais pu avoir 4 fois plus de cuivre. Bon alors là, voilà, j'ai fait des tests, hein. J'aurais pu avoir 4 fois plus de cuivre. En plus, moi, j'utilise pas le cuivre en bloc plein comme ça. J'utilise vraiment que celui-là. Et je savais pas, avant de choisir d'utiliser ce bloc-là, je savais pas qu'on pouvait comme ça le multiplier par 4. Mais donc, on va avoir 4 fois plus de cuivre. Bon, en tout cas, ça marche bien, mon truc. Hein. Regardez, vous voyez, ça, là, ça a bien... Il reste encore un petit peu...
Non, allez, on va en profiter, on va faire un petit tour, on va récupérer pour un bloc près, c'est pas grave. Donc, on va récupérer. Hop, je bloque la machine. Je prends 32 de cuivre. Hop. Et donc, hop. C'est le bambou qu'on va surveiller. Ce qu'il faut, c'est à chaque fois tout récupérer. Donc la machine fonctionne très bien. Vous voyez. Ah tiens, j'ai un bon bout que j'ai pas récupéré. Voilà. La machine fonctionne très bien. Vous voyez que le cuivre est bien figé dans cet état qui m'intéresse pour la construction. Il est waxé tout seul. Donc je peux partir à FK pendant assez longtemps. Et j'ai pas de risque, enfin de risque entre guillemets parce qu'on peut revenir en arrière, mais j'ai pas de risque entre guillemets d'avoir du cuivre trop oxydé. Après, si c'est le cas, c'est pas très grave, mais voilà, ça m'évite des opérations supplémentaires de désoxydation, donc finalement ça me fait gagner un peu de temps et la récolte est aussi longue que, enfin c'est pas beaucoup plus long de récolter dans la machine tel que je suis en train de le faire devant vous, que de le récolter quand il est exposé à l'extérieur. Voilà, c'est pas... Hop. Bah, le tailleur de pierre, il est un peu plus avantageux, mais ça dépend les quantités. Là, c'est 4 fois plus avantageux, je veux dire, il n'y a rien de comparable, hein. Il n'y a rien de plus avantageux que ça. Là, on multiplie par 4 la quantité de cuivre. À mon avis, c'est un bug, hein. C'est pas normal. Hein. Parce que c'est comme si en faisant de la stone, de la stone brick, on récupérait 4 fois plus de stone brick. C'est pas comme ça que ça marche, hein, dites-moi. Quand on met un bloc de stone, on récupère un bloc de stone brick, on n'en récupère pas 4. Voilà, parfait. Donc là, on remet en route la machine. Et voilà. Et on remet le miel. Pour l'instant, j'utilise le bambou. J'ai pas fait le... Ça se trouve, je vais manquer. Non, bon, j'allais dire, je vais manquer de cuivre comme ça. Non. Par contre, celui-là, il est ciré. Pour l'instant, je vais le décirer. Juste pour le ranger. Voilà. Et salut, Popua. C'est une usine à quoi? Alors, c'est juste une usine à waxer le cuivre, en fait. C'est juste pour que dès qu'il change d'état, donc sur le premier état d'oxydation, et qu'il soit ciré en fait automatiquement par les distributeurs. Et moi, ça me permet de farmer du cuivre taillé, exposé, ciré, vous voyez, du cuivre dans cet état-là, dont je vais avoir beaucoup besoin pour mes constructions. Bon, allez les amis, on passe aux choses sérieuses. On passe aux choses sérieuses. Nous allons inaugurer la base volante. J'ai fait des meules aussi, parce que j'en avoir besoin de pas mal. Donc, les amis, on va mettre la Oranakam de manière un peu mieux placée. Elle charge à combien de chunks? 14 affichages, simulation 16. Je sais pas combien est le serveur. Je sais pas combien le serveur, le chat veut rentrer. Je pense que c'est pas utile que je fasse une map de la zone avant, en fait. C'est pas très intéressant, hein. Parce que je vais pas terraformer, je vais juste créer la cité, quoi. C'est sympa. Oh, on me voit là-bas. Wouhou.
suis là-bas. Donc on va se mettre à peu près par là. Le serveur est à 12, ok. Hop, resume record, voilà. Et c'est parti les amis. On va mettre, on va placer le centre. On va se casser les pieds déjà. On va placer le centre de la future base. Ah mais c'est vrai que je suis en Elytra maintenant. Oh. Oh. Tellement easy en Elytra. Donc le centre, on va le mettre genre... Ah oui, par contre... Par contre ça picote. Faut que je fasse gaffe parce que j'ai pas de régène. Où suis-je? Le centre, je dirais qu'on va le placer à peu près par ici. Donc, schematic placement, configure, move to player. Donc on va mettre à 200. Et voilà, le centre de la base, les amis. Donc c'est vraiment le cœur, hein, le centre de la base. Et là, il n'y a pas de bâtiment. J'ai juste placé les premiers couleurs. Les premiers chemins, en fait. C'est juste les chemins, là, pour l'instant, qui vont permettre de passer d'un bâtiment à l'autre. Il n'y a pas de bâtiment. Et donc, le bâtiment central, qui sera vraiment un palais, qui sera vraiment le cœur de la cité, sera là, en fait. Voilà. Donc ça c'est juste le début. Mais il est pas bien placé mon truc. Hein. Faut que je le décale. Genre 260, 280. Faut que je regarde ce que ça donne par rapport au terrain en fait. Si je le mets en 300. Et là. On va le mettre en 750. Ah on est pas mal là je crois. Alors par contre la hauteur, on est peut-être un poil haut, je pense qu'on va le baisser un peu. Je pense qu'on va baisser un peu et on va le décaler un peu par là. On va le baisser, clairement on va le baisser. Donc on va mettre en 210. Voilà. Ouais mais attends, après on a plus trop de marge pour monter. Donc parce que Mimich, là il est déjà à 210. Ça veut dire qu'il me reste 110 blocs seulement de haut. Hein. Donc si je veux mettre des ballons qui volent autour, si je veux mettre vraiment une grande structure au milieu... C'est mon objectif. Hein. Je pourrais vous remontrer la source d'inspiration. Je vais faire ça. Je vais vous remontrer une des sources d'inspiration. Vous voyez, hein, les chemins, ils sont à peu près... voilà. Vous voyez la hauteur des chemins. Hein. Et vous voyez un peu comme ça monte. Donc si je veux que ça monte, il me faut que je me laisse de la marge. Donc là, je me laisse que 100 de marge. Hein. Ouais, des ballons type montgolfière avec des ailes, ouais, exactement. Donc là, là, en hauteur, on a 100 blocs pour monter. C'est bien, hein. C'est bien. Et donc, ça, c'est juste le centre hein, de la cité, hein, c'est pas toute la cité. Hein. Donc la cité, en fait, pour donner un ordre d'idée, elle va faire à peu près le double. Donc elle ira à peu près jusque là, donc ça me paraît pas mal. Et pareil, par là, ça sera ouais, à peu près. Donc je pense qu'on va la laisser là. Je vais me mettre en dessous pour voir où on est.
Oui, tout à fait, Mickaël. Tout à fait. Je descendrai de 20 encore. Alors attention, faut pas que je descende trop, parce que regardez, je vais avoir une grosse structure comme ça aussi en dessous. Hein. Vraiment, je m'inspire beaucoup de ce concept art que j'aime énormément. Et donc, vous voyez, il va y avoir un truc qui va descendre énormément comme ça. Hein. Là aussi, derrière la montgolfière, vous voyez, il y en a d'autres qui descendent. Hein. Donc voilà. Attention à pas trop descendre non plus. C'est pour ça que là, je me dis que c'est un bon compromis. Ouais, non, mais j'ai déjà fait, Mimi, je pourrais avoir une idée de la taille. J'ai déjà fait en solo. Donc, j'ai juste pas noté de coordonnées particulières, mais je pense que là, c'est bien. Je pense que là, c'est pas mal. Je suis à peu près, vous voyez, au centre, en fait, hein, de la zone. Et je suis pas trop mal. Je vais juste... bien voir le centre... Évidemment, il va faire nuit. Oh, quelqu'un va passer la nuit. Pas mal, hein. On va casser cet arbre. Là, je suis pas trop mal. Je pense que je peux me mettre un poil plus par ici. Je sais pas, Popua. Allez, je pense qu'on est bien. Je pense qu'on va faire ça là. Non, par contre, c'est relou, on ne le voit pas sur la Orana Cam. Pourquoi? Ah, c'est parce que c'est derrière. Voilà. Bloup. Allez, on va monter. Le plus haut échafaudage que j'ai jamais fait. Je veux pas trop descendre au sud, Mimi, parce que je voudrais que quand on arrive au niveau du col, je voudrais qu'on voit assez bien la cité, en fait. Et comme à l'endroit du col, il y aura un débarcadère pour aller dans la base des gothiques, d'un point de vue RP, je me dis que la cité volante pourrait être en train de venir pour faire du commerce ou être en train d'accoster, en fait. Hop. Donc là, on est à quelle hauteur? On est à 189. Ah, donc on pourrait monter encore un peu. Mais est-ce que vraiment c'est nécessaire de monter? Non, faut pas qu'un imbécile le casse, non, je suis entièrement d'accord. Je pense qu'on est pas mal là.
Moi, en fait, plus au sud, j'aurais presque dit même plus au nord, en fait, tu vois, parce que là, par exemple, d'ici, on voit pas le col. Donc, j'aurais presque dit plus au nord. Bien ça, Mathias, j'ai l'impression d'avoir copié ton modèle, mais je l'avais pas vu. Tu l'avais pas vu, force, parce que c'est très ressemblant. Mais si tu l'avais pas vu, tu l'avais pas vu, hein. Y a pas de soucis. Hein. « 130 blocs de marche, ça nous laisse de la marge. Hein. » Et puis, on a de la marge en bas, hein, clairement. Hein. Moi, je pense qu'on va dire que c'est bon. Hein. De toute façon, faut bien se lancer. Hein. Allez. Alors, maintenant... Alors, took single layer. Donc c'est à 171. Ça commence. Le fait qu'on ne puisse pas shifter, c'est juste l'enfer. Vous avez eu peur. C'est vrai que j'ai failli oublier que j'avais les élytras. C'est moi shifté, non, d'une pipe. Voilà. Ok, voilà la base. C'est vrai que c'est très au sud par rapport à ce que j'avais initialement. J'étais mis plus par là au départ. C'est pas si mal. Là. Alors ensuite, donc là c'est pour les ailes. Et là. 180. Donc 180. Je raconte mon fils. Il a dû faire un cauchemar. Il dit c'est le monsieur. Donc, nous allons avoir un autre niveau ici. Qui va nous servir à poser les bases. Et après, on verra plus tard. Là, j'espère pas, Mickaël. Oh, j'ai pépite d'or, tiens. Hop.
Alors attendez, je vais aller voir mon fils. Je reviens tout de suite. Bon, cauchemar plus difficulté à respirer parce qu'il est très très enrhumé, il tousse beaucoup. Ça fait que voilà, c'est un peu compliqué pour lui. Merci pour les follow pendant la petite pause. Du coup. Je sais pas si vous m'entendez, mais moi je m'entends bien là. La maman est allée le voir aussi. La maman est allée le voir aussi. Alors, on va avoir besoin de préparer des shulkers. La maman va vérifier aussi sa température parce qu'il avait un peu de fièvre ce matin. Hop, hop, hop. Oui, on entend. Ok. Alors, on a besoin de quartz. On a besoin de bûches d'acajou, mais pour plus tard. Ça, on va en avoir besoin assez vite. Un peu posé. On va avoir besoin d'un peu de ça parce qu'en fait ça je vais en avoir besoin. Voilà. Est-ce que j'ai une table de craft en rab? Non. Je vais en amener une. Je vais amener aussi un établi. Comment on fait un établi déjà?
pas un établi, un stonecutter. Comment ça s'appelle un stonecutter? D'ailleurs de pierre. Stone et fer, ok. D'ailleurs, je peux prendre un peu de fer. On va avoir besoin de beaucoup de deep slate. On va avoir besoin des meules. On va avoir besoin, c'est déjà pas mal hein, de terracotta, mais ce sera pas pour tout de suite. Mais bon, je peux la prendre. Ce sera déjà ça d'emmener sur place. On va avoir besoin aussi de grès lisse. Pareil, hein. Moi, je prends des quantités au pif, hein, parce qu'on aura besoin de plus de ça. Plus de choses. Bah, du cuivre, évidemment. Of course. Évidemment qu'on va avoir besoin de cuivre. Est-ce que j'ai besoin d'autre chose? Je sais plus. On redescendra. Ouais, quartz j'ai appris, ouais, pour les ailes, ouais. Tout à fait. Ah bah j'ai pas pris le bois de sapin. J'ai pas pris le spruce. Là où est-ce que j'ai foutu le spruce? Voilà, je suis allé farmer un peu de spruce. J'ai besoin du bois de sapin pour les ailes. Bon, c'est déjà pas mal. Oh. Ah si, un peu de... J'ai besoin d'un petit peu de... Hop, de blackstone que je suis allé farmer aussi cet après-midi. Allez. C'est pas mal. Allez, zou. Oui, 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 il faudra que je fasse un debug stick, mais il faudra qu'on aille chercher des... Des débris anciens, voilà, pardon, je cherchais le... Le terme. Alors. Where is la dirt? La dirt est là. On va choisir une aile. Je pense qu'on va commencer par celle-là. Et je sais pas pourquoi c'est comme ça, c'est moche. Je sais pas pourquoi c'est bizarre. Automatic placement, configure, matérialiste. Show render. Voilà, c'est muré en pierre noire. Bon, j'ai besoin. GG. Branche noire. Donc, muré de. Pierre noire. Voilà. Hop. Ensuite, au-dessus, j'aurai besoin des dalles en quartz, si je dis pas de bêtises. Et après, j'aurai besoin d'escaliers et de dalles en spruce. Si je dis pas de bêtises non plus. Donc, escalier. Dalles, je crois que j'en ai pas besoin tant que ça. On va faire ça comme ça. Allez, on va déjà mettre ça et on verra après. Donc, tu vas commander un véhicule volant à Zag. Je pourrais. Je pourrais tout à fait. Et coucou boîte.
Coucou boîte. Coucou. Comment ça va? Bah ça va très bien et toi? Ça va, ça va. Je suis très content de commencer enfin mon île volante, enfin ma cité volante. Merveilleux. Merveilleux. Ah oui, t'es en timelapse ça en plus. Oui. Alors je suis en timelapse, mais si c'est comme la saison 5, j'aurai jamais le temps de faire le montage donc. Ouais. T'as beaucoup de rush? Oui, bah, j'ai toute ma cité dans l'espace. En rush. Donc avant le lancement de la saison 6, j'ai fait deux streams, je crois, oui. Pour faire un peu de montage. D'accord. Hop. C'est long. C'est très très long. Ouais. Ah, par contre, j'ai pas pris assez de torches, je pense, pour pas que ça spawn la nuit. Là. Sur mes échafaudages provisoires. Oui, je sais qu'il y a un souci avec la Aura Nakam, mais c'est un souci de la 1.18. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des blocs qui se mettent pas... Regardez pas, vous voyez, ça me l'a fait même là pour Aura. Il y a des blocs qui restent invisibles pendant quelques secondes. Ah oui. Et qui se désinvisibilisent quand on bouge. Mais comme la Aura Nakam, elle bouge pas, et bah en fait, les blocs, ils restent invisibles. Et ça, c'est très relou. Faut juste les actualiser. Si tu mets un bloc à côté, ça s'actualise. Oui, mais la Aura Nakam, elle est pas actualisée, elle. Alors, Smooth Quartz Slab. Et je les ai pas pris avec moi. Non, mais quel boulet. Hop. Bon, et donc ton shop est bien jolie boîte. Hein. Oh, c'est mignon. Gentil. Ah, j'ai pris du temps à le faire. Bah, j'ai pris deux streams. Plus de deux streams. Yep. Je suis content du résultat, j'aime beaucoup. Après, je sais pas si je vais vendre beaucoup, mais bon. Non, je pense que tu vas pas vendre beaucoup. Mais pas que le prix soit déraisonnable, au contraire, les prix sont bien. Donc peut-être qu'au début tu vas vendre, après je pense que tout le monde va se mettre à la carotte dorée en fait, c'est ça le truc. C'est ça, ouais. Mais, ouais. Écoute, au moins tu as un shop. Et ça, ouais. C'est très très chouette. Parce que moi, j'en tout ai pour pas. La vente du cuir, en fait, je pense que c'est intéressant. Yep. Et tu vois, moi, je voulais me mettre à vendre de la laine. À un moment, j'en avais éventuellement parlé. Mmh. Et en fait, j'ai vu que Dave avait fait une usine auto de toutes les couleurs. Ça y est, il l'a déjà faite. Donc, clairement. Il y a Keops aussi qui s'y est mis. Et Béazon voulait en vendre aussi de la laine. Mais du coup, je crois que c'est Keops qui va prendre le marché de la okay. laine. Bon, bah, clairement, il y avait trop de concurrence. Bah, oui. Et puis bon, fallait s'y mettre assez rapidement pour les shops. C'est ça. Donc je sais pas encore ce que je vais faire. Après, ce que je pourrais faire, c'est proposer des services. Parce que ça, oui, mais il faudrait ça. Que je trouve une idée de service. Ah, faut du quartz. Ah, j'ai pas pris de smooth quartz là-bas. Ah, je vais aller chercher ça. Mais en soi, moi, je proposais des ponts, tu vois. Ah, et ça, genre des ponts. Ah ouais, c'est pas mal. Mais du coup, toi, de ton côté, ouais, tu pourrais faire des... Tu pourrais juste trouver ce que tu peux faire. Des montgolfières. En vrai, j'en ai jamais fait. Enfin, j'en ai fait une il y a extrêmement longtemps de montgolfières. Et donc, je suis pas un spécialiste du tout des montgolfières. Va falloir que j'apprenne pour refaire quelque chose de sympa dans mon projet, puisque j'aurai des montgolfières, ça c'est clair. Bon, c'est vraiment pénible que la Aura Nakam, on voit rien. Clairement, ça reste que ça, sur ça... des plans fixes, du coup. Bah ouais, ça reste que sur des plans fixes, ouais. Tu veux pas essayer replay mode pour le coup? Ah, mais si, j'enregistre en fait avec le replay mode. Ah, c'est juste que. Ouais, que ce soit un plan fixe, oui. Là, le plan fixe, on s'en fout, c'est juste pour enregistrer. Oui. Et tu vois, c'est très pratique. Enfin, je pense que tu le sais, mais là par exemple, je vais m'éloigner pour aller chercher du matos. Mais comme c'est la caméra qui bouge pas, qui enregistre, ça oui, ne posera pas de problème de chargement, déchargement des chunks. Ouais. Ouais. Moi, je vais pas faire de timelapse. Je vais surtout faire des cinématiques, des plans cinématiques. Ouais, c'est pas mal aussi. Projet en avancement. Bah, j'ai pris mon shop là, avant qu'ils... Parce qu'ils sont en train de... On m'a demandé du coup, là, les cheminots. On m'a demandé s'ils pouvaient mettre un pont au-dessus de mon shop. Un pont qui passe en arrière-plan. Mais du coup, j'avais pas anticipé ça. Donc j'ai bien fait d'avoir retourné le... J'ai tourné un plan séquence juste avant qu'ils s'en occupent. Donc ça va. Donc, je sais pas du tout si ça va rendre pareil, je pense que dépendant dans quel matériau ils vont le faire, je sais pas du tout ce qu'ils vont utiliser comme matériau, mais
pense à un peu moins ressortir du coup la tour surtout. Après, j'ai vu qu'ils avaient... Oh, ils flottent, mais c'est pas vrai, je viens juste de passer la nuit. Non ! Ah, ça, c'est pénible. Ouais, pourquoi on voit encore la pluie, là ? C'est où qu'on enlève la pluie ? Météo, non. Je ne comprends pas, la pluie est censée être désactivée, pourquoi est-ce qu'on la voit ? Après ça c'est dans les options, même le replay tu peux le régler après. Oui, pour le replay je m'en fous, mais c'est juste pour le stream en fait, ça fait une bouillie de pixels, c'est... Faut désactiver les particules, c'est ça ? Bah ouais, mais elles sont... en fait les particules de pluie sont désactivées, donc je comprends pas pourquoi je les vois en fait. Elles sont... J'ai vu qu'il y avait un changement de langue, je vais m'en occuper après. Pourquoi ? Parce que là, la météo, elle est désactivée. Ah, c'est peut-être là. Oui, c'est là. Voilà, parfait. Hop, les petites particules au sol, à la limite, je peux les laisser, mais... Voilà. Ah, je déteste ça, la pluie dans Minecraft. Pas terrible. En plus, je trouve qu'il pleut vraiment beaucoup trop, en fait. Hop. Ah, j'ai pas pris les meules, tiens. Faut que j'aille chercher les meules. Bon, la pluie, ça apporte rien de... Ah si, si ça apporte. Ça charge les pêches. Ouais, puis ça remplit les chaudrons, mais bon. Ah oui, bien vu. Ah bah oui, c'est ça d'ailleurs qu'il va falloir que je fasse des chaudrons. Que je demande des chaudrons avec oui du snow snow powder. Alors, je vais virer tout de suite ma bouse, là, parce que sinon, après, je vais avoir du mal à le faire. Encore ici. Oula. Bon, j'ai des élytras, maintenant. Je risque moins. Mais quand même. Ah, tu les as reçus quand, d'ailleurs, tes élytras ? Hier. Ok. Oh. Tiens, d'ailleurs, en parlant de... Raison rapide. Ouais, en parlant de recevoir, j'ai reçu ma tasse Holy Cube. Ah, j'ai reçu ça aussi, c'était aujourd'hui. Ouais, pareil, aujourd'hui. Aussi, ouais. Tout pareil, petit message qu'ils ont mis aussi. Ça me donne des idées. J'avais déjà des idées, mais ça me donne des idées. Oh oh. Je reste dans le... Je reste vague hein, dans mes explications, je sais pas. Non, j'ai perdu le bloc. Mais purée. Non, j'ai encore perdu le bloc, mais c'est pas... Mais c'est pas possible. Faut que je descende. 3 blocs de quartz. Mais pourquoi ça se met mal ? Ah, c'est parce que là j'ai des... Ah oui, ok, je comprends. J'ai aussi des escaliers. Ok. Il y a des bugs quand tu veux mettre de l'eau quelque part ou prendre de l'eau quelque part, ça ne se met pas. Enfin, c'est plus quand tu la prends, ça laisse des trous ou d'air. Où ça ? Dans le lac qu'on a construit ? Oui, que je suis en train de continuer là, je vais le finir. Ah bah je voulais le faire. Bon, c'est pas grave, enfin, je veux dire, il n'y a pas de.
Je m'étais dit que je le ferais peut-être bientôt. Donc, me culpabiliser, pas avancer, pas travailler. Donc, je me suis dit ce soir, je m'y mets. Si je peux le finir, c'est pas mal. C'est long, mais c'est bon. Ok. C'est amusant à faire. Amusant. Quand tu débranches. Ah. C'est marrant, ça, j'ai oublié des zones. Je vais les explosionner. Bon, j'ai un casque, par contre, il a 8 de durabilité, faut vraiment que je le répare. Ah oui, je me suis rendu compte ça que ma pelle n'était pas mending, donc il faut que je la mendingise. Ah oui, bien vu. Parce que sinon... On a les PNJ hein, de notre côté, hein. Je sais pas si tu sais, on peut avoir mending pour... Ah oui, non, j'y pensais plus. T'as raison. J'y ai repensé parce que je vais aussi devoir changer mon stuff, mettre mending sur mon stuff. Ah non, faut que j'aille faire des petites chaînes. Je peux faire F3 plus P pour pouvoir Alt-Tab sans avoir à ouvrir le chat. Ah oui. Alors attendez, hop, je recentre bien la caméra. Ça ne... Il faut qu'il soit activé ou désactivé. Pas que le chat soit ouvert. Ça ne marche pas. Pas que le chat soit ouvert. Mais il n'est pas ouvert. Là, fais-le. F3 plus P. Bah là, le chat est ouvert. Donc ça fait juste un P. Ah. Et quand je le fais alors que le chat est pas ouvert, ça fait rien. Donc ça marche pas. Ah. Ok. Pourquoi je m'en fiche de voir le chat? Il est désactivé. Alors, du coup, faut que ça soit Poison Lost Focused Enable or Disable. Non, mais je sais pas, c'est pas bien grave. C'est pour bien grave, ça me gêne pas. Non, c'est ça. Parce que j'ai déjà affiché l'affichage du chat, donc en fait, même s'il y a des choses que les gens écrivent, ça se voit pas. C'est juste pour le retour. Ah, vraiment? Ouais. Mais juste pour mon compte caméra. Tellement cher les chaînes. Oh oui. C'est pour ça qu'il me faut une affaire. Tiens, David a réparé l'usine d'affaires. Dave en a fait une, hein, du coup. Yep. T'es au courant ? Yep, ouais. Par contre, après, c'est celle de faction, donc je peux en prendre un peu, mais je vais peut-être pas non plus. Oui. Après, la sienne, je pourrais voir pour reprendre son design. Tout à fait, moi aussi, c'est ce que je me dis. Produit moins, mais produit au moins. Et puis t'as vu, Auré a mis quelques règles par rapport à ça pour éviter qu'il y ait trop de lag sur le serveur. Ouais, il a préconisé le fait qu'on utilise des usines ou à faire où les villageois sont pas en permanence effrayés par le zombie pour que justement il n'y ait pas trop de lag. Qu'est-ce que j'ai fait? Tu le vois pas car tu es en plein écran. Je suis pas en plein écran, je suis en fenêtré. Une source là. Enlève mes shaders, c'est pas possible. Ah tiens, je voulais te demander, t'as fait des réglages spéciaux par rapport aux shaders, aux complémentaires, parce que je les... Oui, alors en fait, je sais pas si c'est la même raison que celle que je vais te donner qui t'a poussé à le faire, mais quand j'ai voulu hier visiter les difficiles aventures avec les shaders, c'était très 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 éblouissant le soleil. Est-ce que c'est par rapport à ça que tu... Est-ce que c'était ça que j'avais fait? Parce que au début, quand tu le règles pour la première fois, on va dans les options. Hôtel. J'adore options. Et il y avait RP support. Et il fallait mettre Integrated PBR plus. Juste ça fait ça. Quoi ça? Oulala. Donc ça affecte only works perfectly with vanilla. Alors là.
pourrais pas te dire. Je pourrais pas te dire exactement. Compatibilité mode. Bah, je t'envoie quand même, je te fais une impression quand je te laisse. Je veux bien, ouais, je veux pas regarder maintenant parce que. Ouais, pas de soucis. Je veux pas activer les shaders maintenant. Avec le Lightmatica, ça marche pas. Après, dépendant aussi de la version parce que je sais pas, difficile d'aventure, t'es en quelle version dessus. La même. Depuis hier. Ouais, on est passé en 1.18 hier. Okay. Enfin, 1.18.1. C'est bizarre que t'as des problèmes. Bah, c'est pas vraiment des problèmes, c'est juste j'ai trouvé ça très éblouissant en fait. Et peu importe le moment de la journée, je trouvais qu'il y avait trop de soleil en fait. En intérieur, pas de soucis, je trouvais ça très très chouette. Mais en extérieur, ouais, je trouvais qu'il y avait vraiment trop de lumière. Faut passer en disable. Qu'est-ce qu'il faut passer en disable? Truc non, tu me parlais peut-être, mais je sais pas ce que c'est. Ah oui, disable pour le F3+P, ça. Yep, je sais pas dans quel. C'est dans quoi? Ah non, tu parles de quoi là? Il y a deux sujets qui. Je parle du F3+P. Ah! Pas que t'es dans les options en fait. Non, mais sûrement parce que t'as un PSP comme touche de chat. Moi j'ai pas P comme touche de chat. Non, moi j'ai T comme touche de chat. Ah, c'est T. Bah, du coup, F3+P ça fonctionne sans que tu ouvres le chat. Et bah, non, ça fait rien. Enfin, quand je fais F3+P, il se passe rien. Mmh. Curieux. Ça fonctionne mais tu le vois pas. Ça te met juste un message dans le chat en fait. Te dire c'est enable or disable. Mais qu'est-ce qui est enable or disable? Bah le fait de mettre pause au jeu. En fait tu peux alt tab sans pour autant que ça te mette pause. Ça te mette le menu échappe. Tu vois? Ah d'accord, ok, je n'avais pas compris. Ok. Oui. D'accord, j'ai compris. Ok, ça marche. Je n'avais pas compris ce que c'était censé faire. Je pensais que voilà. C'était censé me redonner le contrôle. Enfin bref. Je n'avais pas compris. C'est pas grave. C'est où là? Ah oui. Les vaches au spawn, on fait quoi? Je les ensevelis. Bah, moi j'étais prêt à les tuer pour faire de la viande, mais. Ah. Bon, je peux les tuer. C'est mon boulot. Maintenant. Alors, double. Ouais, faut que j'envoie un message si vous avez besoin d'item frame, de cuir quoi. De cuir, même de nourriture, n'hésitez pas. Hein. Hop. Et voilà notre premier. Première hélice. Ah, je trouvais que ça faisait bizarre ici, mais c'est parce qu'il doit y avoir de la roche dessous. J'ai vu la lumière, exactement. En fait, il faudrait que je réinstalle le mode pour Lightmatic. Permet de savoir ce que c'est. Mais je l'ai pas là. Je l'ai pas sous le coude. C'est pas grave. On va faire ça aujourd'hui. Ah.
une dalle. Alors, Polish Deep Slate Slab. Je devais farmer aujourd'hui, j'ai pas farmé. Du coup, j'ai pas eu le temps. Bah moi j'ai fait que ça en fait cet après-midi. Hop. Putain, j'ai commencé le château là. Le donjon. Le donjon. Les appartements. Changer d'inspiration d'ailleurs. Faudrait que je t'envoie l'image. Superbe image d'inspiration. Hello. Et coucou. Hello. Ça y est. Oui. Ah. Revenu. Comment ça, revenu? Oui, j'ai été en expédition. Hein, expédition. En territoire ennemi. Je pense qu'on peut dire ça, hein. Ouais, territoire ennemi, clairement. J'ai été à la Stonk. Ah, oula. T'as bien été accueilli, ça va? Bah écoute, il y avait personne. J'ai fait furtif. T'avais quoi là-bas du coup? Je suis allé faire mon secret de Santa. Ah, bien vu. Et je suis allé à. Moi je voulais le déposer au spawn à peu près. Et mais c'est bizarre, le chat il voulait pas. Ouais, c'est un peu de votre faute tout ça. Mais dites donc, qu'est-ce qui se passe ici? On surfe sans moi? Ah oui, bah j'ai commencé. Boîte, oui, ça m'amuse. Ouais. Bien commencé. Tu veux surfer avec moi? Ou tu veux surfer tout court, en fait? Pas forcément avec moi. Ah bah non, il est mort. Oh, chute dorée. Troisième mort. Mince. Je vais avoir une tête. Donc finalement, c'est un mince de politesse. Ouais. Mais en fait, intérieurement, c'est youpi! Oui, bah, clairement, je suis même pas sûr que mon mince était très... Convaincant, non, je dirais pas ça. C'est un mince de fierté, ça. T'es content, en fait. C'est ça. Un peu... Mince, c'est dommage. Mince, oh! C'est du ballon. Hop. Je vais réparer un peu mes ailes, et puis après, je vais venir... vous aider. Bah en fait, moi, je suis pas avec boîte. Je m'étais dit que j'allais faire ça bientôt, mais là, je commence un peu ma cité volante. Ah. Moi, j'en fais un petit peu ce soir. Faut que je aussi. Pour le follow. Pécalo. Ça se passe comment les travaux du clan gothique? Je vais passer en spectateur parce que là. Il y a de la lumière ici. Oh mais c'est il y avait une mise à prix de la tête dorée. Ah ouais? Bah je sais pas, tu tues... Il y avait un contrat, ouais. Ah oui, j'ai les verres du coup. Les verres... Il y a un endroit où les contrats sont rendus publics ou ce sont des contrats secrets? Je veux pas qu'on me tue, moi. Ah, je sais pas s'il y a quelque chose au spawn... En termes de niveau, j'ai pas assez. Hein. 377. 389. En fait, ouais, ça va remonter très vite hein, avec le mending. Ah, j'ai pas fait les fours. Ah, je passe ma tête. Alouette. Bruce Plank. Ah, je vais te faire un crochet au spawn, aller faire ma tête. Moments Altea, ça se passe très bien, les travaux gothiques. Y a Roi qui build la salle des coffres. Ouais. On a Oran et Boîte à Meux qui font le lac. Et puis moi, je regarde tout le monde. Ça se passe bien. Ouais, je suis plus sur la partie technique en ce moment. Ouais. Et c'est très bien, parce que l'usine à faire, on en avait besoin d'une un peu meilleure. Là, oui, voilà. On était... Mais là, depuis que vous bossez, là, j'ai presque un demi-stack hein, de blocs de fer. Oh, nice. Ouais. Parce que je l'ai vidé tout à l'heure, donc... Tiens, j'ai une question à te proposer, une question.
Est-ce qu'il y a moyen que je mette des vaches de ton côté? Comme ça, je fais un élevage en même temps que j'ai AFK. Bah, c'est pas vraiment l'AFK parce que je reste quand même actif. Qu'on mette un enclos avec des vaches, comme ça, je peux en produire tout en, AF... bah, tout en faisant de l'AFK pour les vaches. Pour les l'iron et la laine. L'iron c'est ici. Hein. En fait. C'est avec ta laine? Non. Ah. Je crois que c'était. Et je pense que l'AFK au niveau de la zone là est vachement plus intéressante. Parce que moi, c'est sur le long terme, je suis pas sûr que ça. Mais c'est le truc qui vole. Oui, c'est ça. J'ai remarqué que c'était ça en fait. C'est ça. Je débarque. Ah bah attends, je vais voir du coup. Je vais venir voir. D'accord, je croyais que c'était. Je croyais que t'avais tout mis vers ta zone. Très bien. Nope. Bah, c'est mieux comme ça. Nope. Non, non, dans ma zone, coup... j'ai mis ce que je savais pouvoir cacher avec mon château. Mmh. Et puis ensuite. D'accord. Ah oui. Et en production de laine, sinon ça va? Ah ouais, bah à fond, j'ai plus de 5 stacks là. Ouais, j'en ai utilisé pas mal pour faire le cadeau là, mais. Mais ouais, ça produit là. Ouais. Je vais. Je pense que je suis à 5-6 stacks de laine là. Mmh. De chaque couleur. Hein. Ouais. Super simple ta ferme. Pourquoi j'ai pas mis de bottes moi? Ouais, elle est super easy cette petite usine. J'avais fait un red steak là-dessus, une petite vidéo. Ah, super, bah, je regarderai. Mais. Boîte qui va se mettre à la redstone. Bah, ça va, elle m'a l'air simple, vachement simple. Oui, bah, de toute façon, moi je fais que des trucs simples. Hein. Alors, je fais oui. Du survival friendly. Hein. Tu fais des trucs simples à reproduire. Par contre, à designer au départ, c'est autre chose. Ah, bah oui, ça c'est. C'est un principe oui. Même. Ce qui est simple, au final, est souvent bien compliqué à faire et à trouver au début, quoi. Bah, pour compacter, il faut souvent se creuser un peu la... Bon, voilà. Réparé. Il y a des choses que j'avais mis de côté en cas de rencontre... Avec les factions agressives, oui. Mais je vais pouvoir récupérer, ça va. Alors finalement, furtivité diabolique. Parfait. Ouais, j'ai juste eu un moment où on a entendu quelqu'un, hein, je pense. Hein. Vous êtes d'accord, le chat? Vous avez tous reçu votre cadeau d'ailleurs? Non. Ouais, Oran, j'ai dû voir le tien à l'ancien portail. Oui. C'était pas un cadeau. Ah, c'était pas un cadeau. Enfin, okay. C'était ma commande d'Elytra. Ah, d'accord, ok. Ok, je n'avais pas ouvert le coffre. Donc du coup, niveau cadeau... Ah bah non, non, mais j'ai pas participé en fait, parce que j'étais pas sûr en termes de timing d'avoir le temps de tout faire. Mmh. Et... Donc je ne me suis pas inscrit. Très bien. Alors. Oui, que ceux qui trouvent ça radin mettent un pouce rouge. C'est ça aussi. Je sais pas pourquoi, je suis pas gentil cette saison. Ah. T'en avais assez de jouer les justiciers en fait. J'ai que des envies de meurtre. Non, pas du meurtre, c'est trop facile la mort. déjà, 29 iron depuis tout à l'heure, là, on est là depuis 10 minutes. Mm. Ah purée, ça coûte cher les hauts fourneaux là, ça me coûtait encore une blinde en fer. Et quoi? Les furnaces, les trucs. Blast. Les blast furnaces, voilà. Oui. Là ça coûte une fortune. Ah bon?
Bah ça coûte... il m'en faut plein. Ça coûte 5 lingots de fer. Ah oui. La structure en cuivre, le petit château fort, je lance l'île sous l'eau, ça passe. Ça fera un vestige. Oui, ça fera une ruine sous-marine. Ouais. C'est bon. Bah. Oui, je double ma récolte de sugarcane. Je te remercie Annette. Bah Baby Run il est un peu malade en ce moment, mais sinon on va ça, ça va bien. Mais... J'étais en train d'être en sneak, comment j'ai pu glisser? C'est pas possible. Bah c'est pareil hein. Ah non, j'ai peur. Et en live hein, c'est pas du spoil. Si on vient de voir. De quoi? Tu es en Ah oui, je suis en stream là, oui, non, il n'y a aucun souci. Ah bon. C'est le tout tout début, hein. Je viens juste de commencer. Hein. Oh. Alors je crois qu'il y a une tête. Ah mince. Ah tu t'es répandu. À noter pour plus tard, quand on vole et qu'on passe sur des échafaudages, on ne s'accroche pas. Ça te casse ton vol. C'est bon à savoir. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. T'avais beaucoup de niveaux en plus, non? Quelques-uns, ouais, je sais pas. Oui. T'as pas de portail encore, Rohan. Non. Mais parce qu'en fait, je voulais pas le mettre dans ma base. Oui. Oh putain. Oh putain. Pardon pour les gros mots. Il y a un creeper. Je veux surtout pas qu'il explose à côté de ton stuff. Ouais. Ils montent pas aux échafaudages, les creepers. Hein. Je pense pas. Non. Alors attends, je vais le buter. Si j'y arrive, il y a du lag. T'as bien fait de... Il est bien d'enlever les arbres en dessous, non? Non, je veux pas abîmer le terrain. Oh, pardon. Ouais, tu les reprends après, sinon. Non. Ouais, mais ça va cacher des petites bêtes, là. Oui, mais on n'est pas censé être par terre, si tu veux. Oui, mais bien compris. On est censé être dans la cité volante. Du coup, t'as le temps d'arriver, Dave? Ouais. J'ai mon inventaire qui est full, donc je vais avoir du mal à ramasser ton stuff. J'ai juste ramassé ta tête. Faut juste que je passe la montagne à pied, du coup. Ouais, je vais peut-être quand même. Attends, je vais essayer de poser et de redescendre pour sécuriser ton stuff quand même. Pourquoi tu lis pas les messages? Je pourrais commander une forêt. Bonjour, à Lucide. Mais j'en ai déjà une forêt, pourquoi vous voulez que j'en commande une? En fait, j'étais hyper concentré parce que je viens de mourir, c'est pour ça. Bah du coup, Daf, tu pourras mettre ta tête dans ton cercle de rituel, là. Non, non, ouais, non, ouais, non, ouais, moi je l'ai pris, sa tête. Pardon? T'as pas signé le papier, pourtant? C'est du vol? Bah, écoute, elle traînait par terre, sur un territoire que je revendique. D'accord. Bah, heureusement que tout ce que tu... Il t'appartient, m'appartient. Oui, ah, j'ai vaguement entendu parler de ça. Ah, j'ai une pelle à toi. Attends, faut pas que je la... Bon, je vais te la rendre, la tête. Ouais. Bah, ça tombe bien, en fait, j'en ai besoin pour la game. Oui, c'est ce que j'allais dire, il va pas falloir notre purée de creeper. Peut-être pourquoi? Pour la game, il va falloir notre tête, non? La game. Oh. Quoi, la game? Alors, si tu sais pas ce que c'est, tu vas vite le découvrir. Ah, j'ai dû louper des messages. Non, 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 pas du tout. C'est un classique de Holycube, mais qui n'a pas existé lors de la saison 5. C'est peut-être pour ça que tu l'as pas, l'as pas vu. Ah bon? En fait, non, il n'y a pas eu d'iGame pendant la saison 5. Il a été question d'en faire, et puis... Est-ce que c'est chez Stonks, hein?
Il repousse sans cesse. Non, mais en fait, c'est un système, si tu veux, de tirage au sort. Dans sa version la plus élaborée, tu pouvais, dans je sais plus quelle saison, quand tu participais à la game, en fait, tu pouvais choisir une cible, donc une personne par exemple, et une prank ou un meurtre, et tu avais une contrainte, une ou plusieurs contraintes pour ta prank ou pour ton meurtre, en fait. Donc ça s'appelle Light Game. C'est Pierre qui a fait ça dès la saison 1 de l'Icube en fait. Ah, t'es là. D'accord. Oui. Et donc, c'est un jeu qui est vachement sympa parce que ça dynamise beaucoup les interactions, ça crée des événements en soi avec... Ça, pour dynamiser, ça dynamise. Yep. Dynamique peut-être aussi. Oui. Mais tiens, en fait, je te ramenais ça du coup. Tu me ramenais quoi? Les blocs. Ah, merci faire. Beaucoup. Pourtant... Tiens, attends, t'as pas tout récupéré. Hop. Hop. Oui, donc se méfier en fait bon. De ça là. Ah non, tiens, il trace ça. Et là, c'est. Bon, under chest. J'en avais un under chest sur moi. Tu l'as pas récupéré? T'en as pas un toi? Non. Ah, tiens, et des fusées aussi. Je l'avais posé mon Ender Chest parce que moi j'en avais un aussi. Mon casque. Ah, j'ai ton casque, pardon. l'Ender Chest, je sais plus, j'en avais un sur moi il y a longtemps. Non, je crois que c'est le mien. Non, bah écoute, pas de soucis. Attends, bah il devrait être quelque part. On voit pas de collision. Attends, ça se trouve, oui, mais je l'ai posé en haut, ça se trouve. Attends, ça doit être j'ai le tien. Une pioche. Tiens. C'est le tien. En fait, quand je suis remonté là-haut pour poser mon stuff, j'ai dû le poser en même temps, en fait. Ah, c'est le problème de s'éclater dans la forêt. J'ai peut-être une pioche aussi Silk Touch qui doit être quelque part. Elle a un nom? Non. Alors, je vais regarder là-haut parce que j'ai posé un peu de matos, donc peut-être que j'ai posé. Alors... En tout cas, t'es la première personne à mourir sur ma cité volante. Je suis content que ce soit pas moi. C'est bon. J'ai 3 pioches. Ah oui, je sais pas compter. Donc j'ai ta pioche. Ah, super. Si tu veux monter. Yes. On joue un café, s'il te plaît. C'est par là. Et j'ai ton plastron aussi. Ah non, c'est le mien, celui-là. Non, c'est le mien. Plastron, je crois qu'il est dans mon under chest. Bon, désolé, hein, c'est... dans les moments où on récupère son stuff, on n'est pas très concentré. Pas de soucis. Hop. Puis les bottes en cuir. Bon, la neige, c'est vraiment pas un souci. Hein. En règle générale, on voit où on met les pieds. Donc, bon, là, je speedais, donc j'ai mis. Moi, je me suis un peu enfermé, bottes en cuir. Mais même à la main, c'est, ça pose aucun souci hein, de retirer 3 blocs et hop. Hop. Donc tiens, je t'ai balancé ta pioche. Merci. Donc voilà, bienvenue sur les 171 débuts. De hauteur. Oui, t'as encore un peu de marge. Ouais, bah je voulais avoir... J'ai eu un peu plus d'une centaine de blocs au-dessus parce que je veux faire un truc assez haut. Donc il me fallait trouver le juste milieu. Donc j'espère que c'est le juste milieu. On verra. On verra. Il va falloir que je m'y mette, moi, vers mon petit château. Et la photo que tu nous as montrée était sympa. Ouais, on va se marrer, je pense. Parce que c'est ça. Oui, je devrais tous les renommer d'ailleurs. Mais DavPut, je mets Dav devant le nom et puis c'est bon quoi. Ça suffit. DavPic. Bien trouvé, ouais. J'ai plus de place dans l'inventaire. Davbo. Ah, j'ai pas fait assez de... Ok. Oh mais quoi, t'es impeccable, hein. Hop. Je vais essayer de pas me... Pas mourir, ouais. Pas mourir. En général, la descente est plus facile, quand même. Mais en fait, là, non, c'est... Oui, enfin, c'est que t'as pris l'échafaudage, quoi. Ouais, et ça te coupe.
c'est vraiment particulier. Je n'avais pas vu cette petite entrée là. Ah bah c'est ma petite réserve. À l'intérieur. Ça traverse ? Non, ça traverse pas. Watameu aussi voulait que ça traverse. Ah oui, éviter la neige. Pourquoi ça traverse pas ? Non, ça traverse pas. Mais ça va traverser. Bah, je vais finir par être obligé de le faire parce que t'es... vous me poussez à faire ce tunnel. C'est plus simple. Après, au pire, si jamais tu veux faire une autre entrée, on pourra bouger après. En plus, tu vas arriver quasiment à l'emplacement de l'usine dont je me suis occupé hier soir. Ah ouais ? De l'usine à araignée. Oh, une usine araignée ? Oh ! Ouais. Elle est où ? Juste au-dessus de toi. Moi ? Coucou. T'es où ? Là. Tu vois, c'est nice ça pour les fils. Je suis aveugle. Non, je suis trop loin. Pas les fusils. Sud. Ah, je vois sur... Sud-est. Je te vois. Ah oui, je te vois. Bonjour. De loin. Tu vois, là, il y a une entrée, c'est juste là. Je vais venir voir. Je voulais voir si ça marchait, parce que justement, j'ai fait ça en dernier, hier soir, très tard. Oui, je pense que c'est ça, Momo Altea, il a la flemme de creuser. Bon, si c'est... La Chine est mort à cause de la poudreuse ? Non. Ah, au-dessus d'une faille. Ah oui, alors du coup, en fait, il est passé au travers. Piège, oui. Ah, oui. Oui, d'accord. En effet. Oh là là. J'ai eu un micro-lag serveur qui m'a fait sauter. Ah, merci beaucoup, Lud, pour les 200 bits. Et merci pour les 100 bits également. C'est super gentil. Alors, comme j'étais en plein stress, j'ai pas fait gaffe. Merci, c'est adorable. Merci beaucoup. Ah. Je me rappelle de la saison 2 avec ta maison du spawn. Ah, la Minka, la fameuse maison traditionnelle japonaise. J'aimais On a construit dans les règles de l'art. Ouais, j'aimais beaucoup les explications que tu donnais à chaque fois. C'était très... En fait, moi, au début, j'étais pas parti là-dessus parce que je pensais que tout le monde allait le faire, thème asiatique, je me suis dit, bon, c'est bon, la maison traditionnelle japonaise. Puis quand j'ai vu les autres portures, un peu sur autre chose, je me suis dit, ah, bon, écoute, c'est parti. Là, si tu veux, j'ai une épée avec loading dessus, si jamais tu veux. Faut que je me stuff, il faut vraiment que je fasse ça. Enfin, je dis ça avec un niveau 2. Ah oui, bah oui, ce qui est à toi est à moi. Bon, bah tiens, alors, cadeau. Donc j'aurais pu garder ta tête. Alors. Pas enchanté et t'as vu la Dura. Bah, je te la laisse. Hein. Bon, non, mais d'accord. Je te la prête et je te laisse farmer. Et puis... Ok. Voilà. J'ai un petit souci de pour jeter les items. Ah non, mais garde-la. Non, je t'en prie, je vais m'en faire une. Ah, mais je pensais que tu voulais farmer les araignées. Non, je voulais montrer. Alors, c'est une AFK, regarde. En fait, là, il brûle. Il meurt comment ? Voilà. Tu vois ? Il meurt dans l'eau. Tout simplement. Noyé ? Ah ouais. Ouais. Et, alors, les araignées, c'est toujours une usine un peu compliquée à faire. Mmh. Et là, en fait, le chemin, comme elles ont tendance à vouloir se coller au plafond, le chemin est assez haut ici, 3 de haut. Et puis ensuite, elles se collent... vers le haut avec de l'eau, quoi. Simplement. Ah, bien vu. Elle est géniale, ta ferme. Hein. Faites à l'arrache. Hein. J'ai fait aucun test créa, là. Mais pour l'instant, j'ai l'impression que ça marche. Et elle se stack, en fait. Elle se stack et elle commence à mourir de l'asphyxie. Et l'eau a un double effet, en fait. L'eau, non seulement les pousse au bon endroit, pousse les items ensuite pour qu'on les récupère, et ça les asphyxie. Super. Tu vas mettre un hopper dessous, d'ailleurs, pour récupérer les objets. Si on est AFK à côté, autant se mettre là où l'item, on le récupère directement, mais pourquoi pas, on pourrait sous la trappe, en fait, tout simplement. Super. Topissime, j'aime beaucoup. Et j'ai pas l'impression que ça se bloque trop, un petit peu. Hein. De temps en temps, elles redescendent.
Et à ce moment-là, ils sont emportés. Je suis sûr qu'il y a moyen d'optimiser, mais bon, on fait en 5 minutes. Ouais, c'est bien, bien trouvé. Bah, moi, je comptais faire un truc un peu plus complexe, en fait. Bah, j'en ai jamais fait des usines comme ça, et l'astuce est très bonne. Et ça n'a pas l'air du tout compliqué, hein, comme tu me l'as Ben, présenté. c'est qui est-ce qui me parlait d'une usine à villageois la dernière fois avec un système de minecart qui emmène le villageois et qui bah, faut faire simple quoi. Et on met un zombie derrière le villageois et terminé quoi. Aïe. Bon, vous savez quoi, je vais aller faire un petit tour au spawn de la faction parce que déjà il me reste plus que 3 coeurs et demi. Ah. Donc je vais voilà, hein, force de tomber oui, sur mes échafaudages. Et puis on revient à la maison. Voilà. Ah, pardon, excusez-moi. Je... Et je vais aller chercher de la bouse parce qu'en fait j'ai pas de bouse. Pourquoi faire une simple maison quand on peut faire un temple ou un châtel? En fait, c'est pas la quantité de blocs qui compte, c'est la qualité parfois. Et souvent, en posant parfois juste 3-4 blocs et en racontant une histoire, on donne une valeur à ces blocs-là, qui est aussi importante que si on en posait 10 000 pour faire un château qui n'a pas forcément d'âme, quoi. Ça dépend. Ça dépend, c'est pas... C'est de la qualité aussi. Pas forcément c'est la le RP, quoi, qui peut avoir... Ouais. N'importe moi, je viens de là, hein. Moi, je suis un rôliste, hein. La propose est fan, ouais. Moi aussi je suis fan de propose de ses lives. Oui, très gentil le message pour Wetham. Ouais, il fait un peu de bruit parfois, mais bon. Ça m'arrive. Il fait des bruits bizarres, il fait quand il me retourne. Là, sans tuer depuis tout à l'heure. Hein. Ah non, j'ai tué un petit peu. Tu t'es tué. Oui, je me suis tué moi. Bon, on n'a pas le droit de dormir pour Gold, mais je suis pourchassé par des fantômes. J'ai eu le même problématique. Ah, je devais mettre en espagnol, au fait, le jeu. Vous ne l'avez pas redit. Attendez. De durabilité sur mon oui. Casque. Oui, on fait. On a des RP très sympas. Va falloir que je croise Monsieur Aipierre là d'ailleurs. Exactement, Monsieur T. Le top du top, c'est quand on fait un château, donc énormément de blocs, en plus avec une âme en racontant pourquoi on met la cuisine à tel endroit, qu'est-ce qu'on faisait dans la cuisine à ce moment-là, par exemple. C'est le cœur d'un château, la cuisine. La grande salle de réception, pourquoi les volets on les fait de telle façon, pourquoi... Il y a énormément de choses à faire sur un château, je crois pas avoir vu ça encore en série. Hein. Ah merci Mimich. Quelque chose qui va vraiment jusqu'au bout du... Il y avait quelque chose qui s'en rapprochait, c'était Let's Timelapse de Bill Silverlight. Oui. Où quand tout il construisait fait. Sa cité... il donnait énormément d'explications, c'était ouais, très simple. Et puis il avait été conseillé par un étudiant en histoire qui lui avait... vraiment donner de la densité en termes de bah de d'explications historiques. Donc c'était super intéressant. Et Jill, c'est les oubliettes le cœur du château. Bah en fait, muchas gracias, théoriquement, bah c'est pas très loin puisque c'est le donjon en fait. Le premier donjon qui est créé, qui est ensuite amélioré. Mais oui, quelque chose qui va très très loin dans le RP. Roi a fait un peu ça quand même, hein. Bah, sur la saison 5, moi, la salle vraiment dans son château que je retiens, c'est la salle de Noël, parce que non seulement Mayuko l'a vraiment décorée magnifiquement, oui. Mais en plus, il y a le petit... Alors, c'est pas que du RP, mais le petit côté découverte qu'on a tous eu quand on a fait le World Tour, et je crois que c'était à peu près l'époque de Noël, où on a été dans sa salle, et il y avait des petits cadeaux pour nous, enfin, c'était... Donc, il y avait le côté affectif, aussi. Oui. C'est vital. Hein. Bon, on va pas le voir parce qu'il charge pas les entités à cette distance. Si, mais je pense que de l'usine à araignée, l'usine à fer fonctionne. Nice. Il faut juste mettre des portes, je pense. Non. Mais là, on peut faire des fils AFK. On n'aura pas l'XP, malheureusement, mais... Ouais mais c'est bien les fils, moi je suis allé tuer des araignées pour avoir...
J'en ai posé deux stacks hein, dans les coffres. Nice. Parce que juste en construisant déjà. En fait, c'était important. Hop. Je sais pas si vous voyez en plus dans le chat le petit système qui fait que l'item il tombe, mais comme il est dans l'eau, il remonte légèrement. Parce que maintenant, avec le système, les items flottent dans l'eau. Il remonte légèrement et là, on peut le choper. C'est elle est au pixel près, cette usine. Ouais, le RP sur YouTube, ça fait un bout de temps. Hein. Et encore, celle que j'ai... la saison que j'ai été obligé d'arrêter, c'est la saison... sur Jules Verne avec mon Nautilus et j'avais préparé énormément de choses. Bon, c'est l'époque où j'ai commencé à changer de boulot, tout ça a été compliqué. Maintenant c'est bon, je suis chef. Hopper sous la trappe avec un trieur. Bon, est-ce bien nécessaire? Depuis tout à l'heure là. Parce que les yeux d'araignée, on le récupère quand on loot nous-mêmes l'araignée. Hein. Si on les laisse mourir comme ça, on ne récupère que des fils. Hein. C'est parfait. Si on est là juste pour les fils. Règle numéro 1, le chef a toujours raison. Bah, ça tombe bien, je suis le chef des chefs maintenant. Ah là là. Et bonsoir. Chicken Medic, on s'est vu tout à l'heure. Bon, bonsoir, c'est au revoir alors, du coup. Non, Lud, j'ai pas le replay mode. Non, je tout ce qui fait que il faut tout refaire après, ça me... Je suis fainéant, en fait. Tous mes systèmes redstone, c'est parce que je suis feignant. Tu parlais de Lightmatica, je pense. Parce que le replay mode, c'est pour faire les cinématiques. Ben oui, mais en fait, il faut tout refaire après, quoi. Non seulement tu as filmé ton truc, mais en plus, après, il faut que tu recommences. Oui. Ouais. Par contre, j'aime bien ce système-là. C'est-à-dire que là, c'est Twikeroo qui me permet de bouger avec la caméra. Donc juste autour de moi, hein, mon personnage, j'y reste encore. Hein, c'est comme un mode spectateur. Et donc je l'ai mis sur CTRL F. Et quand j'appuie sur F, la caméra reste. Et là, je peux bouger mon personnage. Donc je peux me faire une petite scène, en fait. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup... Enfin, il a l'air bien ce mode, j'ai regardé. Mais qu'il y a beaucoup de choses. Il n'est pas trop dur à configurer. Quand tu veux vraiment qu'un seul, une seule des fonctionnalités qu'il te propose. Bah en fait tout doit s'activer. Donc en fait si tu configures que ce que tu as besoin, le reste c'est transparent en fait. D'accord, ok, bon faudra que je l'installe. Est-ce que j'ai su trouver les coordonnées de la zone commerciale? Je me suis dit que je ferais l'inverse en fait. Tout à l'heure je savais qu'au sud il y avait ma base donc je suis rentré. Par contre je ferais l'inverse de la zone commerciale, je m'envolerais de là-bas. Parce que le lien entre spawn et zone commerciale, je pense qu'il faut aller un petit peu à l'ouest, sud-ouest. Ouais, pour les intros et outros, ça peut être sympa. Alors, j'ai pas fait encore de vidéo vraiment sur Holycube, c'est des rediffs de live. Parce qu'il y avait tellement de choses à faire au début que je ferai des vidéos un peu RP. Il y en a une qui sort demain. Ouais, t'as fait des épisodes, toi. T'as même fait un timelapse? Non, t'as pas fait timelapse sur... Non. Boîte à meux. Le boîte à meux que vous demandez n'est pas disponible actuellement. En tout cas, Boîte, il a fait des épisodes. Je sais plus s'il a fait des timelapses, mais il a fait des épisodes. Ça, c'est sûr. Mais moi, je fais plus d'épisodes. C'est... En fait, ça prend du temps, comme tu dis, de refaire des choses. Oui. Donc, du coup, j'ai choisi de privilégier le stream, donc je fais beaucoup plus de stream. Mais du coup, je fais moins de montage. J'en ferai, mais plus tard. En fait, le problème de l'épisode, c'est que c'est le temps que ça prend. C'est pas un temps désagréable, moi j'adore ça. J'ai découvert le plaisir de monter quand j'ai eu mes filles. Du coup, je me suis mis à monter les vidéos de quand elles étaient petites, et j'ai adoré ça, quoi.
Donc, moi, je me suis mis beaucoup sur YouTube grâce à cause de ça, parce que j'adore le montage. Mais quand on est dans un cadre comme Holicube, où ça va très vite, surtout cette saison, on prend un retard de psychopathe, un retard de fou, quoi. Je sais pas, dans le chat, est-ce que vous êtes quelques-uns à faire des vidéos déjà, ou à faire des lives? C'est plus lent que de jouer. Hier, par exemple, j'ai pas fait de live. J'ai fait 3 fois plus de trucs que si j'avais fait des lives ou des vidéos. Enfin, même pas des vidéos, j'en parle même pas. C'est à cause des enfants. Grâce aux enfants. J'en ai fait un peu, hein, tu vois, Jill. Et c'est chronophage. Très, très. Après, je pense que je prends autant de plaisir à monter qu'à jouer. Presque. Un tout petit peu plus à jouer. Ah oui, c'est sympa aussi, Solstice Mechanics. C'est l'inverse, le live te motive à jouer du coup. Et donc tu joues mieux en live que tout seul, sinon tu tournes un peu en rond. Bah, ce qui est motivant quand même, c'est de partager ce qu'on fait, ce qu'on construit. Mmh. Clairement, je pense que si je ne faisais pas de vidéo ou de stream, je ferais peut-être pas des projets aussi ambitieux, parce qu'il y a quand même la communauté qui te porte sur certains projets, qui t'encourage à finir, à aller plus loin, quoi, à faire des trucs toujours un peu plus grands, un peu plus ambitieux. Clairement, c'est une motivation, je trouve. Et salut à Epopi, bon. À Dinawu, Xerxes, Tronin. Salut. Parler. On retrouve à faire du jump, n'importe quoi. Sympa. Ah, puis du jump. S'il y a des épreuves inter-faction de jump, on sait qui envoyer. Ah non, je suis une grosse quiche. Il va falloir mettre quelqu'un en face de Sama, quoi. Ah non, mais pas moi. Je crois que je suis aussi bon que roi, c'est dire. Je voulais faire un event interville. Ah ouais, avec des vachettes. Alors, pas forcément les vachettes. Mais l'idée de l'event, ce serait en fait chaque faction choisit un type d'épreuve. Si la faction arrive à battre toutes les autres factions ne marquent pas de points. Et toutes les factions qui battent la faction qui a créé l'épreuve sur cette épreuve-là, eux marquent des points. Et au final, ça fait ceux qui ont plus de points qui ont gagné. Le concours des factions. Bah c'est bien parce qu'en plus, il faut qu'on organise des events pour notre. Enfin, il faut que chaque faction organise des events. Donc. Bah alors, what? Tu pars comme le championship. Ça, désolé, ouais, désolé, je suis passé par non, le spawn. Je plaisante. Je regarde un petit peu ce que les autres faisaient au spawn derrière mon chez moi. Non, mais on te parle, tu réponds pas. Ah, on commence à s'inquiéter. On avait vraiment parlé? Oui. Ah, mince. Moment Altea, le temps de montage, 1 heure pour 10 minutes de vidéo, quand on le fait souvent, au bout d'un moment, on prend l'habitude, on prend pas autant de temps, et quand on filme, par exemple, on sait quoi filmer, on s'y fait, quoi. Ça parle vidéo YouTube. Ouais. Et du coup, je disais que t'avais sorti des épisodes en fait, et je te demandais si t'avais intégré des timelapses dans ces épisodes ou si c'était simplement des épisodes de présentation avec du montage et des. Et ouais, c'était juste un room tour, une review du projet, de l'avancement. Et je mets des petites séquences là sur le dernier, j'ai mis une petite séquence cinématique avec un plan global en fait, en volant, ou avec le replay mode. Voilà. Ça demande pas trop de temps, mais c'est toujours le montage plus laborieux, sachant que je me reprends plusieurs fois quand je parle. Et il y a des séquences à couper parce que on fait des longues phrases alors qu'il n'y a pas besoin. C'est vrai. Commencer sur des épisodes de 15 minutes à peu près. C'est ce qui est le plus simple à regarder d'ailleurs. Voilà. Mais un exercice, hein. C'est un boulot. Hein. Ouais. Oui, c'est un boulot. Ça s'apprend, ouais.
Je comprends plus les usines à faire, je suis resté en 1.8.9. Ah, les grosses usines à faire. C'était à l'ancienne, ça. Yep. Et on a parlé aussi, boîte à meux, pendant que tu n'étais pas là, que Davlek proposait d'organiser des épreuves entre factions, inspirées oui. par Interville, et donc tu fais officiellement la vachette dans toutes les épreuves. Ah, oh, trop bien. Quel plaisir. Quel non, plaisir. Ce qui va être chouette, c'est que on va pas avoir à faire toutes les épreuves, tu vois. On va avoir juste notre épreuve à designer. Les autres devront choisir leur épreuve. Alors, la Stank va choisir du PVP, les cheminots vont peut-être choisir du jump, enfin, tu vois. Mais chaque faction va proposer son épreuve. Très bien. Donc, nous, on va proposer quoi? Concours de build? Et bonne question. Je pense que ça pourrait être sympa. En fait, j'avais fait sur Holycube, je crois que c'était la saison 3, la Holy House. Ouais. En fait, chaque personne avait un stack, devait poser un stack de blocs sur un chunk, et au final, ça devait faire une maison. Donc c'était un truc un peu collaboratif, quoi. On pourrait proposer une épreuve comme ça, de dire bah chaque personne, on choisit dans chaque faction 10 personnes, enfin je sais pas combien on est, 8 personnes, ou je sais pas. Et chacun a le droit de poser 60 blocs. Ouais. Et au final, le rendu final sera... Il y aura comment on appelle ça? Un vote? Ouais, donc après, je pense qu'il faut faire voter les factions. Pour eux-mêmes, mais pour les autres. Ouais. Voilà, et puis attribuer plusieurs points. C'est-à-dire pas voter que pour une faction. Tu vois, genre, comme à l'Eurovision, en fait... Ouais, où chaque ça. Jury Exactement peut distribuer ça. Plein de points, parce qu'en fait sinon ça devient trop facile de privilégier une seule faction. Si on demande aux viewers, ça va être les plus grosses communautés qui vont forcément avoir plus de points. Donc ouais, là, build battle, ouais. Ouais. C'est ça, un build battle tout simple. Ouais. Bonne idée. Ouais. Il y a plein de possibilités. Ouais. Alors si Gravity Craft, le debug stick, il est autorisé, c'est juste qu'il faut le crafter. Et actuellement, je n'ai pas les moyens de le faire, puisqu'il faut un lingot de netherite, et que je n'ai pas commencé du tout à farmer de débris anciens. Donc je n'ai pas de debug stick. Tu as un bel icône devant ton nom, Lud 12, maintenant, du coup. Mais clairement, le debug stick, j'en crafterai un, parce que moi je vais utiliser énormément les glazed terracotta. Donc autant vous dire que ça va m'être utile. Je vais juste m'isoler 2 secondes pour expliquer un truc. Ok. D'accord. Pas de soucis. Bon, je cherche un casque à me faire avec respiration et aqua affinity. Et j'ai pas les niveaux. Mince. C'est un datapack, hein, la wrench. Hein. C'est Shuka qui nous a rajouté ça. Mais c'est vrai que c'est très utile, hein, pour notamment la glace terracotta, mais pas que. Après, il y a des utilisations que je trouve un poids limite. Je sais plus lesquelles. Je crois que c'est des... Je sais plus. Il y a un truc... C'est la possibilité de mettre des... qui est utile, hein, qui est la possibilité de mettre des trappes en fer en position verticale sans alimentation en redstone. Mm-hmm. Quelque chose qu'on pouvait faire en vanilla avant, hein, en 1.12 ou je sais plus quoi. On pouvait le faire en cheatant un peu, en bedant. Je l'avais fait à l'époque. Et puis ils ont corrigé ce, entre guillemets, bug. Mais je trouve que c'est une fonctionnalité qui était bien. D'avoir en survie, pouvoir mettre cette trappe en fer pour de la déco, quoi, pour la construction, parce que clairement une fois que tu les as craftées, ça coûte déjà assez cher à crafter les trappes en fer. C'est pas grave si tu les places à la verticale ou à l'horizontale, enfin je veux dire, ça ne change rien au gameplay, c'est pas du cheat, c'est voilà, clairement. Ça ne t'apporte rien, ça ne t'a... c'est juste de la déco, quoi. Bah, du coup, après ça, il faut que je mette des bras zéro.
Des bras droits. Yep. Bah, il faut que tu te craftes la olive wrench là. Faut donc, que j'achète une olive wrench. Je crois pas qu'il y en ait en vente pour l'instant. Je rachèterai de la meilleure. Ouais, faut trouver de la. Un lingot de Netherrack. Netherite, pardon. Ouais. Merci. Merci à tous pour les fois. Bon, clairement, il va nous falloir un étage supplémentaire de bouse. Celui-là, on va le garder jusqu'au milieu pour faire. Donc, je ne l'ai pas expliqué, mais ce soir, je me contente de faire un angle et un bout de couloir, hein, c'est déjà pas mal. On verra ce que j'aurai le temps de faire de plus, mais. Et là, en fait, ce que je suis en train de placer, donc là, j'ai placé le centre vraiment de ma base. Et donc, je suis en train de faire les chemins qui vont entourer le centre. Et à partir de là, il y aura un réseau de chemins qui desservira plein de bâtiments dans la cité. Et au milieu, il y aura vraiment un bâtiment central. Ce sera le bâtiment le plus imposant de la cité. Mais je l'ai pas designé, je l'ai pas encore. J'ai des sources d'inspiration, mais je ne l'ai pas encore en construction en tête. Donc, pour l'instant, je commence petit avec des petits éléments de RP, comme les hélices, et puis des chemins. Et là, on fait la partie chiante, qui va m'occuper pendant pas mal de temps sur toute la cité, c'est-à-dire les échafaudages, les infrastructures portantes, qui sont volontairement très, très aérées, très biscornues et. Avec des barrières, des portillons, des murets, et qui sont pas du tout, qui sont faites pour être vues d'en dessous et éventuellement en vol, pour faire vraiment un espèce de fouillis. En fait, c'est le but, que ça fasse une sorte de fouillis de structures, de poutrelles, etc. Mais c'est pas là-dessus qu'on visitera la cité à pied, en fait. Ce sera pas sur une île volante, non. Ce sera une cité volante. Mais complètement autonome pour le vol, en fait. Du coup, j'étais venu chercher quoi? Je crois que j'ai pris ce que j'étais venu, mais je me suis dit que pour revenir, il faudrait que je monte mon échafaudage, c'est ça. Donc on va poser ça, je pense que j'en aurai plus besoin pour l'instant. Et on va prendre. Où est-ce que j'ai foutu? Voilà. L'échafaudage. Par contre, je sais pas jusqu'où je vais monter. Si, je sais. Là, pour le coup, je vais monter jusqu'à la hauteur normale, on va dire, des chemins. La partie vraiment accessible à pied quand on visitera l'île sans Elytra. On sera à cette hauteur-là, en fait. Yep. Comment va le petit Devin? Je te remercie. Ben là, il est malade cette semaine. Là. Il est très enrhumé. Il tousse. Des maladies d'enfant. Ce n'est pas la Covid. Comme je l'avais dit, j'étais potentiellement cas contact. Mais en fait, je ne le suis pas. Mais dans le doute. Avant de savoir que finalement nous n'étions pas qu'à contact, nous avons quand même effectué tous les tests possibles. Et on a même testé le petit bout, parce qu'il avait des symptômes, pour le coup. Enrhumé, fièvre, tout. Donc on l'a testé, et il est négatif. Alors nous on a fait deux tests, on a fait le test antigénique et le PCR. Lui on lui a fait juste le test antigénique. Ok. Potentiellement un peu moins fiable. En vrai, j'aurais pu faire ce bout-là, ça m'aurait permis de. Rajouter ce qui me manque ici. Là. Mais voilà, il était négatif au test. On lui a mis le goupillon dans le nez et tout. Pas très agréable. Hein. Il était négatif.
Ouais, fichu virus, ouais. C'est vrai. Bon, j'avoue que j'appréhende un peu les conditions de la rentrée scolaire. J'ai peur qu'on ait vraiment beaucoup d'enfants cas contact. Ou voire même malades, hein. Re? Pourquoi je suis descendu là? J'ai fait une... J'aurais pas dû redescendre. Bon, Boitameu, je sais que tu es un... Tu n'es pas fan du tout de l'arithmatica. Mmh. Mais tu l'autorises pour les cités volantes. Je t'ai entendu le dire dans un test chat. Dans oui. Un test stream. Oui, pour les organiques. L'arbre de Lucide, par exemple. Ouais, on va. Je conçois. C'est quand même assez galère pour. Bah, pour j'avoue que. Sur du volant. Ouais. En fait, tout ce qui est structure où t'as vraiment beaucoup à travailler par le dessous, c'est compliqué quand même en survie. Hein. Mmh. Ouais. Et là, bosser à 200 blocs du sol, c'est pas évident. Pas 200, mais à 100 blocs. Mmh. Une fois que tu auras ta plateforme, là tu pourras. Là, si tu utilises, si tu utilises l'arithmatique, t'en voudrais. Parce que les structures, tu vas pas les faire avec l'arithmatique. Je sais pas, ça dépend desquelles. Après, j'entendais tes critiques que je trouvais fondées. Et. Tu disais souvent que bah, quand on voit quelqu'un construire avec l'arithmatique, on perd tout le process créatif qu'il y a eu derrière. Et ça, t'as ouais. Entièrement raison. Et du coup, moi, je fais souvent des streams créatifs, en fait. Oui. Et du coup, ouais. Après, j'utilise Lightmatica. C'est ça. Et du coup, je trouve que, en tout cas, de mon point de vue de streamer, ça a un intérêt parce que, effectivement, j'aime bien montrer le processus créatif aussi. Mais par contre, je suis beaucoup moins disponible pour la communauté quand je suis en train de réfléchir en créatif. J'arrive pas personnellement à... En fait, je me rends compte que dans mes streams, quand je suis en créa, certes, en début de soirée, je suis assez efficace pour et construire et parler, mais très vite, dans le cours de la soirée, je deviens de plus en plus silencieux, en fait, concentré oui. Sur mes idées, et que j'ai du mal à expliquer un petit peu les idées qui me passent dans la tête, même si, évidemment, tout le monde voit comment je fais, mais... Ouais. Alors que, du coup, quand je construis avec l'Acmatica, pour le coup, il y a moins besoin de réfléchir. Oui. Et donc effectivement je n'explique pas à ce moment-là le processus créatif, mais par contre je trouve que ça fait des streams plus... Qu'est-ce que c'est ici? Ah c'est une meule. Plus tranquille, plus cool, en mode ouais. Plus chill, et où je suis plus présent pour la communauté. Donc je trouve que c'est pas mal aussi. Bon. Je pense que tu veux dire. Mais après moi quand je fais du créa c'est plus du commentary, tu vois. Il n'y a pas forcément d'interaction, mais en fait, tout ce que j'ai en tête, je l'exprime à l'oral. Parce qu'il s'en passe des choses dans ma tête. Après, j'essaye de le faire, mais c'est vrai ouais. Qu'au cours de la soirée, je me rends compte qu'en général, j'ai tendance à le faire de moins en moins, en fait, au fur et à mesure de la soirée. Ouais, c'est la fatigue est compréhensible. Hein. Mais ouais, et du coup, c'est vrai qu'il y a sur la saison 5 d'Olicube, il y a une bonne partie de tout ce qui était en créa. Enfin, de tout ce qui était création, oui, j'ai fait les schématiques avec les viewers, en fait. Donc, notamment, je pense au vaisseau spatial géant. Je sais plus combien de streams on a fait pour le faire en créa, mais là, on est parti vraiment de l'image d'inspiration, et puis ouais. D'un espèce de squelette très vague, puis petit à petit... Et ça, ce serait bien ce genre de contenu-là à mettre sur YouTube, comme ça, les gens voient le process de comment créer quelque chose. C'est compliqué à regarder après. Ça, voilà. Oui, c'est compliqué, mais moi, on m'a déjà posé la question de savoir comment je construisais. Je leur dis que je prends une image d'inspiration, je fais des plans et ensuite je commence à faire la forme globale du bâtiment et je mets le détail à la fin. Mais les gens ne se rendent pas vraiment compte de comment ça se fonctionne en fait. Mmh. Et toute cette recherche créative-là, en faire limite un condensé, et puis proposer ça sur YouTube, ça peut être intéressant. Ouais. Ça demande du boulot, mais... Ouais, c'est du boulot. Pour le coup, moi, il y a les rediffs, mais c'est assez imbuvable. Oui, t'imagines te taper 15 heures de créatif
En stream, ça passe parce que t'as, voilà, c'est, t'as l'interaction potentielle, t'as le flux continu, mais en rediff, c'est... Ouais, bah, j'ai mis là, tu vois, une rediff de 6 heures de stream. Ouais, j'ai vu. Mais parce que je trouvais intéressant le process du pont, tu vois. Donc je vais mettre 2 épisodes de 6 heures. Je trouvais l'idée hyper intéressante, bah, de montrer comment créer la structure et d'où je partais, en fait. Et parce que je l'ai expliqué dans ma première vidéo, pour moi ça avait l'air clair, mais pour vous n'avez pas toutes les images que j'ai en tête. Vous n'avez pas cette vision, aussi poussée. Du coup, le mettre en vidéo, je trouvais ça intéressant de le publier sur Internet. Après, bon, c'est une rediff de stream. C'est long à regarder, mais en zappant les parties, tu peux remarquer comment je travaille, en fait. Donc, bon, c'est pas perdu, et puis moi, ça me fait une archive. Mm-mm. Hop, je pense pas... D'ailleurs, j'ai trouvé ça sympa sur ma chaîne. J'ai passé un... Non ! La meule qui est tombée tout en bas. Le nombre de blocs que je vais perdre pendant cette construction, ça va être... Ça, les récupérer... Ouais, terrible. Oui, donc j'ai passé un peu de temps en fin de saison 5 à regarder ma playlist simplement de rediffusion. Parce que... En fait, ça retraçait un peu l'histoire de mon projet, de mes constructions. Rien que les miniatures, les titres. Et j'ai trouvé ça très, très sympa. Nostalgique. Ouais. Et oui, oui, tout à fait. Mais non, mais encore une meule qui se barre au prix des meules. Purée, je vais aller régen parce que là, j'ai encore plus de cœur. Limite, tu vois, dans ta structure volante, la nuit, tu devrais faire un seul endert, en fait. Un seul endert, une architecture endert en dessous. Bah j'en ai une, hein, heureusement, parce que sinon... Oui, mais une ah oui oh non, c'est moche, ça. Je sais. C'est moche. Ah, bah t'as fait le choix, hein, de faire une île volante. Oui, mais c'est trop moche. T'as des avantages parce que t'as pas de mob, mais t'as les inconvénients parce que... Ouais, et j'ai aussi pas de terraforming à faire. J'aime bien et le terraforming, mais... C'est vrai que... C'est long, et puis voilà, j'avais pas envie forcément d'en faire. J'en fais déjà plein sur la difficile aventure. Donc... Ah, mais elle est là, ma meule. Oh là là, j'ai plus. Faut que j'aille régène, hein, c'est pas possible, je vais crever, même sans tomber tout en bas. Ouais, Samduc disait que je partage un album sur Pinterest. En fait, j'ai créé un album Pinterest avec toutes les images d'inspiration qui me sont venues comme ça pour éventuellement mes futurs projets. Et voilà, je l'alimente. Après, il n'y a pas vraiment de fil conducteur. Mais moi, en tout cas, ce que je vais en faire de la composition des images que j'ai trouvées, je vais essayer de trouver un lien, en fait. J'aime beaucoup utiliser des images d'un style différent, pas faire des styles différents de construction et les intégrer les unes aux autres. J'adore faire ça. Donc proposer déjà ces images là, ça peut montrer déjà le style, les styles qui vont s'intégrer. Pardon, c'est le chat. <Et les ronds. rire> J'arrive pas à trouver mes livres. Hein. Respiration, j'arrive pas. Et Aquafinity, je trouve pas non plus. Mince. Pas bon. Je vais me faire suer à mettre les meules là, purée. J'ai pas de. J'ai les pas meules, de. Ah oui, j'ai pas de point rank. De vue pour les mettre orientés si vers tu... le bas. Ou que je ferai à la fin ça, hein, sinon. Mets-les dans le mauvais sens et puis tu repasseras un petit peu. J'aime... Je sais pas si ça marche avec le debug stick sur les meules. Si ça, bah, ça doit fonctionner, tu peux changer la rotation des trappes. Donc, Ah d'accord. Je pense que ça fonctionne pareil. Non, si t'as l'axe nord-sud-est-ouest, tu peux le faire. Ok. Mais j'ai un peu la flemme. Enfin, j'ai un peu. Je vais voir quand j'aurai la. J'essaierai avec la wrench, mais pour l'instant je vais trouver une solution. Parce que j'ai pas envie de les laisser à l'envers. Ouais, faudrait que tu te mettes en bas de ta structure. Mais... Ouais, bah je vais me mettre en dessous. Ouais. Ah bah c'est le problème. Hein. Ouais. Je l'ai voulu. Hein. Mais en vrai, c'est moi qui ai choisi. Les premières images d'inspiration, c'était pas une cité volante, mais.
C'est une cité très aérienne en sandstone, avec de grosses cascades. Et ça aurait impliqué qu'il fallait que je monte des grands murs en sandstone. Ça aurait été génial, mais du coup, ça serait ouais, quelque chose d'aérien, donc pareil, le même problème. Hein. Je peux être un truc qui tombe dans le vide, je peux pas le récupérer. Mais en tout cas, moi, ça m'aurait fait une base. J'aurais fait une base plate en fait au-dessus. J'aurais pu construire après par-dessus. Et toi, t'as la difficulté d'être juste sur des passerelles en fait. Donc t'as pas vraiment une grande zone de plate. Compliqué. Mais très beau projet. Hein. J'ai un petit regret quand même que tu n'exploites pas le terraforming de la 1.18. Tout petit regret quand même. Oui, moi aussi, mais j'aurai l'occasion, il va pas disparaître. Ouais. Et puis je vais l'exploiter un tout petit peu quand même dans le projet de faction. C'est-à-dire que je vais relier mon projet au projet de faction. Oui, c'est vrai. Donc là je vais clairement m'en servir du relief ici. Ouais. C'est vrai, oui, c'est vrai. Et je trouve que j'y avais pas pensé forcément au début, mais plus j'y pense et plus je me dis que vraiment ça va être important dans mon projet que de faire ce lien entre les deux cités. Mmh. Oui, clairement. Clairement. Mais moi, hein, j'ai ma ville aussi à faire, j'ai envie de la relier. Au niveau des cascades. Yep. J'ai ma petite idée de petit de route d'où je vais passer. Et ouais, des idées donnent envie. En train de faire des bêtises. J'ai une gourde, mais en fait, elle fuit. Là, ce qui peut être traître sur mes passerelles, c'est que il suffit que quelqu'un clique droit sur les les trappes et youp, c'en est fini. Non, encore une mule qui s'en va. Hop. Une mule partie trop tôt. Et voilà, j'aimerais bien que. Bon, là, on a accès au mince, créatif là. Oui, j'y suis pas encore allé. Faut que j'y aille. Je sais pas. Mais en tout cas, ce que nous a montré Roi pour faire les tests de pattern, il l'a fait en solo, je lui ai demandé. Donc c'est dommage, on n'y a pas accès. C'est très dommage. Parce que effectivement, il a montré des prémices de pattern et j'aimerais tellement aller voir ça de près. Et puis. Bah, éventuellement proposer des petites idées, voilà. Ouais. Notamment un truc que toi tu sais très bien faire et que je trouve très chouette et que c'est les dégradés. Oui, c'est ça. J'ai fait la remarque justement. Bah tu vois, j'en ai parlé aussi, mais j'avais en tête j'avais des créations à toi où tu fais ça très bien. Mmh. Ouais, clairement. Et en termes de bloc blanc, je pense que ce qu'il a utilisé, c'est très bien, calcite, diorite, tout ça, c'est incontournable. Mais je pense qu'on pourrait même aller éventuellement sur, pour les zones très blanches, sur du béton. Béton blanc, oui. Même en si, poudre, ouais, bah les deux, en fait. Moi, dans mes constructions contemporaines sur les difficiles aventures, j'ai souvent mélangé les deux, en fait. Béton en poudre et béton durci. Parce que clairement, ça apporte des contrastes, en fait, entre les deux. Et ça va très bien ensemble. Hmm. Par contre, on a le souci avec le béton poudre qu'il faut des structures pour le porter, quoi. Sinon, ça se casse la binette. Oui, oui, oui. Tu fais. Bon, je devais remplir un lac. J'ai parti sur autre chose. Et en partant sur autre chose, en fait, je devais faire un casque parce que j'avais deux durabilités dessus. Mais il me faut à quoi Infinity et Respiration. Et hey, GG, j'avais pas vu, merci beaucoup GravityCraft, 7600 followers. Merci beaucoup, GG à vous. Trop bien. Ça monte tout doucement. Tac. Donc là, ce que je suis en train de faire sur mes passerelles, ce seront les passerelles de maintenance, de service. En fait, là, on est dans les zones techniques de la cité volante.
Et on imagine qu'ici, ce ne sont pas les citadins lambda qui viennent dans les parages, mais vraiment les techniciens qui doivent vérifier les structures portantes, qui doivent aller voir les machines, etc. Mmh. Donc là, c'est sécurisé quand tu veux mettre les barrières en fer, mais c'est quand même... voilà, c'est pas... C'est des zones assez étroites, pas très pratiques. Ouais. Base de plafond aussi, hein, le plafond sera juste au-dessus à deux blocs. Mais voilà, le but c'est de créer cette sensation de promiscuité, d'ouverture. Parce que vraiment on a l'impression que le vide est partout. Même si ça sera sécurisé, hein, avec les barrières on pourra pas tomber. Ouais. Mais ça donnera l'impression quand même d'être pas très sécure. Ouais. Bah oui, tu te déplaces sur des walls, des trappes. Exactement. Encore ceux-là, les trappes que t'as mis sont pas ouvertes. Ouais. Mais après, t'auras des fans sur les côtés, bah les iron bar plutôt. Non, ouais. C'est génial. J'adore l'idée. Ça renforce le côté aérien. Et en bois de chêne noir, ça reste sombre. Je voulais que le dessous de l'île, enfin de pas de l'île, mais de la cité soit sombre. Pour faire un contraste avec les ailes et puis un contraste avec la entre guillemets la surface, enfin le. La partie vraiment habitée de l'île de la ville qui sera elle très colorée. Mmh. Et le côté bois, c'est aussi léger en fait. Ça fait pas trop lourd quoi. Mmh. Oui, j'ai vendu mon âme au nouveau magasin. Oui, Zifiv, c'est Boitameux qui est avec moi. Coucou Zifiv. Bon, par contre, ça coûte un bras les matériaux là. On va aller faire ce qui nous manque. Comment je vais faire pour faire en dessous? Dans l'idéal, faudrait que je me foute là-dessus, mais je vais me casser la binette. Oh. Ah, voilà. Alors, respiration 3, c'est un diamant. Ouais, mais là, j'étais pas passé, là. Ah, j'ai... Les enchantes pour miner sous l'eau, c'est Aquafinity et respiration, c'est ça? Bah, respiration, c'est mieux quand même pour respirer sous l'eau. Mais c'est juste ces deux enfants. J'ai supprimé mon échafaudage de bouse trop tôt. J'aurais dû le garder. Ah, bordel là. Zifiv, si on a accès au debug stick, hein, c'est ce que me disait Boîte à Meux, hein, que le debug stick fonctionnerait sur ce type de bloc, faudrait que je teste. Mais en fait, on y a accès à condition de le crafter, de le payer. Et moi, j'ai pas de bloc, pour l'instant, j'ai pas de débris ancien. Je suis pas allé farmer du tout de débris ancien, donc il faut un lingot de netherite dans le craft qui a été choisi. Et je trouve ça bien, hein, que ça coûte cher, hein, c'est pas un reproche, c'est juste que bah, le serveur il a 2 semaines, à peine. Et que j'ai déjà farmé pas mal de trucs, mais pas les lingots de netherite, quoi. T'as vu que t'avais renommé tes diamants? Diamants d'Oran? Oui. Trop bien. C'est pas moi qui ai eu l'idée la saison dernière. Je trouve ça sympa. Ça permet une certaine traçabilité. Donc Vartak le fait, il appelle ça des Varbucks ou un truc comme ça. J'avais pas d'idée donc j'ai mis diamant de Oran, mais... Ah, faut que j'en trouve un, moi. Ouais, je trouve un nom pour la monnaie aussi. Par contre ça se stack pas avec les autres. Non mais après tu les renommes... enfin non, t'as même pas besoin de les renommer. Tu... Même si t'as des diamants de Oran, diamants de Vartak, etc. À partir du moment où t'en as 9, peu importe comment ils sont appelés, tu fais un bloc de diams et tu le décraftes et ça te redonne des diamants non nommés compatibles avec avec les autres. Yes. Alors oh là 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 là, je vais crever. Le chat veut rentrer évidemment. Bon, grâce à toi je me suis fait un diamant et j'avais un autre diamant à récupérer pour les cuillères, donc 2 diamants. Il va pas être très rentable mais bon. Eh, c'est le début. C'est, bien, c'est le début de la fortune. Après, j'aurais dû l'appeler sous fétiche si c'est ton premier diamant gagné. Ah, oui.
Alors, il est où le... Ah, il est là, voilà. Celui que j'avais oublié. Il n'y a pas d'enclume au spawn, hein. Si. Ah. Alors, c'est dans le moteur de du véhicule de Zanzag, celui qui est l'espèce de 4x4, là. Ça craint quand même de péter ça. Il a pas du tout. J'ai moins de scrupules que toi. Ça me donne envie, mais bon, j'ai cassé le moteur, moi. Oh, ça va, si tu fais un diamant. Fais un diamant. Mais je l'ai fait que pour toi, parce qu'en fait, j'ai acheté déjà des choses au spawn et je les avais pas renommées. Mais en même temps, j'avais pas d'XP, donc... Ça, c'est un peu du luxe quand tu comptes plus tes niveaux, quoi. Des meules... Ah, c'était des trappes en Dark Oak qu'il me faut. Bon, vous lui direz pas, mais je viens de le faire. Oui, c'est vrai que c'est ta faute, c'est toi qui en as. Oui. Alors, j'ai déjà designé la ville en partie ou créé un plan. Alors, là, clairement, vous voyez à peu près tout ce que j'ai design pour l'instant vraiment en créatif. Donc, c'est-à-dire que je me suis vraiment occupé des chemins. Après, j'ai fait un test de bâtiment, mais un tout petit bâtiment. Que j'aime bien, je l'utiliserai. Et j'ai fait. Merci pour ce moment, cette entracte musicale. Et donc j'ai fait. T'as chanté, j'étais pas là. T'aurais pas entendu, c'est que pour les viewers. Merci pour les followers. J'ai fait donc un petit bâtiment, j'ai fait des petits tests d'accessoires qui sont pas forcément définitifs mais qui vont m'aider, quelques engrenages, quelques éléments comme ça que j'intégrerai. Et puis j'ai fait un plan. Voilà, le plan il est sur le calepin. Voilà le plan de la cité. Vous pouvez voir maintenant qu'au milieu, là, il y a le bâtiment central. Après, le plan n'est pas forcément définitif, mais... J'adore ton schéma de tour en bas. Il est moche. Hein. Non, j'aime bien. Ouais, mais il est très très moche. Hein. J'aime bien quand même. C'était une tentative vraiment pas belle du tout. Pas si mal. Ah non, je suis pas... J'aime pas du tout les... Les courbes, les proportions, le... Non. Mais voilà, je m'inspire d'un jeu vidéo, hein, je l'ai déjà dit, mais Airborne Kingdom. Et vraiment, je vais vraiment partir de ça, parce que je trouve que c'est très joli. Bien sûr, ça restera une adaptation, parce qu'on est dans Minecraft et qu'on fait pas la même chose, on peut pas. Mais clairement, l'inspiration, c'est celle-ci, et je vais m'en servir. Plus qu'à tatouer le plan dans le dos pour Prison Break. Je sais pas, parce que à la limite, si t'as des élytras, une fois que t'es dans la cité, tu peux t'échapper de partout, hein, et tu peux te sauter. Hein. Enclume. Je suis une deuxième d'enclume. Hein. Pour mon casque. Ça va m'agacer toute la saison, ces items qui tombent et que je récupère pas. Ouais, ah bah oui, c'est le risque. Ce serait bien qu'il y ait un enchantement pour aimanter les objets, attirer les objets à soi. Alors, comme en modé en fait. Hein. Ouais, je connaissais pas en modé. En modé, ça existe. Et sur, je sais pas. Plus la saison aquatique de d'Olicube, ils avaient un objet qui faisait ça. Parce qu'en fait, comme ils étaient beaucoup sous l'eau,
pour la saison aquatique. Avec les items qui flottent là, c'était très pénible en fait. Et donc il s'était mis un datapack avec un objet comme ça. Mais ils l'ont pas remis. Et puis moi, ça m'a pas manqué. Enfin, ça reste du vanilla quoi. Après, sinon, c'est un peu. Ça ressemble à du modé après, je trouve. Alors, on va descendre sans se casser les jambes. Voilà. Oui, lui dans Airborne. Alors, Airborne Kingdom, c'est un jeu de gestion où tu dois construire et gérer ta cité volante. Et effectivement, l'une des principales fonctionnalités de ces de gameplay, c'est que la ville que tu construis doit être équilibrée. C'est-à-dire que comme la ville vole et qu'elle repose sur des ailes, des hélices, etc., il faut que le poids soit réparti de manière équitable pour que la cité ne penche pas d'un côté et que tout se casse pas la binette. Donc moi j'ai fait un plan équilibré parce que je trouvais que c'était aussi sympa de respecter ça, mais ce sera pas symétrique. Ce sera pas symétrique, et d'ailleurs dans le jeu ça ne l'est pas non plus, hein, tu n'es pas obligé de faire des villes symétriques. Changement de langue, j'ai déjà mis en espagnol, mais bah du coup on va passer après les opciones, l'idioma, on va passer en allemand. Allez. C'est pas mal ça, hein, l'idée de changer de... Je sais pas. Hein. Ça en fait, peut être perturbant parfois. Ouais, ça me perturbe rarement, mais la dernière fois, je sais plus pour quelle raison, j'ai dû repasser en français parce que c'est ingérable. German, EFG. Non, c'est où l'allemand? Ah, remet en français déjà. Il remet. Ah, c'est Deutsch. Deutschland, ouais. Et chaud. Ah, j'ai oublié de changer, j'ai pas mis en noir, Mimich. Oui, il faut que je change ça. Mais en même temps, changer avec les options en espagnol, c'était pas évident. Yes. Bon, allez, on y retourne. Bon, respiration 3 là. Ça c'est bien ça. Y'a bon. Tu me dis hein, s'il y a trop de bruit derrière moi, il y a le chat qui joue. Oh non, t'inquiète, c'est pas gênant. Oui, fermez les yeux, c'est dangereux de regarder ce stream au moment du changement de langue. Mais comme ça, avec le rouge, vous profitez bien de mon overlay, en fait. Vous voyez bien tous les petits détails que j'ai fait sur le chat, sur la caméra, sur mon pourtour de ma caméra, voilà. J'aime beaucoup un tes overlays. Je me suis donné un peu de mal, même si je suis loin d'être graphiste, et donc ça reste très amateur. Mais ça reste beau. Mais voilà. Alors, je suis remonté, mais en fait, je suis remonté sans matos, donc... Compliqué. Et en moins vite. Ça va mal marcher. T'avais parti, hein. Ouais, bah il est toujours sur le Discord, mais il devait donner des explications. Parce qu'il est en stream aussi, donc... Oui. Ouais. Et donc, il me fallait des... poser les fours. Il me fallait des barrières en fer maintenant. Au fond de l'eau, il y a... au fond de l'eau qui est pas encore, mais... Il y a de la... puzzle, pardon. Puzzle, faut que je la remplace par de la dirt, on est bien d'accord. Hein. Ouais. Ah, mon fils. Oh. Ouf. Je vais y aller. Je mets en pause, je reviens. Ça va vous sinon? Forme.
vous allez bien? Ça va être... Bah, ça va très bien. Ouais, du coup, moi, c'est Wetem. Hein. Pour ceux qui se heureux. Oui. La maman était plus rapide que moi. Mais c'est bien, tu meubles. Je meuble. Je suis, travaille pour Ikea. C'est gentil. Une histoire. Tu verrais mes inventaires. Bah, vaut mieux pas en fait. Bah, ce que j'allais dire, si c'est comme les miens, vaut mieux pas. Je me fais engueuler en stream. Je suis pas organisé. Ouais, alors moi je fais des efforts quand même hein, pour ranger mes salles des coffres, etc. Je trouve que je m'améliore. L'inventaire alors. En fait, c'est que j'oublie de ranger, surtout. Je me donne des excuses, c'est bien. Il faut, c'est important de s'excuser. Toi-même. Je suis en train de récupérer de la puzzle, mais j'en veux pas de la puzzle, c'est pas bien la puzzle. Ah ouais, t'en mets pas dans tes chemins, dans tes... Ah, je pourrais, mais là, en fait, je vais récupérer de la dirt, en fait. Donc, mais si j'ai su touch, bah je récupère la puzzle, quoi. Yep. Est-ce que je garde ça, ou... prendre la place. Ouais. Ouais, ouais. Ah oui, j'ai ma ou. Ma ou aussi. Tu streams demain? Oui. Oui, tout à fait. 11h30, comme d'habitude. J'hésitais à faire ma promo hein, pendant que tu étais parti. On va la faire demain. N'hésitez pas à aller voir boîte. Hein. Il stream. Ah, à partir de 11h30 et toute l'après-midi. Voilà, à 17h30. Moi, je ne stream pas demain, demain soir. Le réveillon, bref. Donc voilà. Simplement. Ma petite soirée tranquille avec ma chérie. Mignon. Et puis, retour des streams samedi soir. Mais samedi soir, je ferai pas sur l'Ecube, je ferai sur mon projet de création de jeux vidéo. Bien. Merci Mimi. On pourrait presque faire une commande bien pour ça. Oh, c'est mignon. Hein? Nice. Le puzzle, je vais le recouvrir. Hein. C'est plus rapide. Ça te plaît sinon. La commande s'appelle pour l'exclamation boîte. Boîte ? Oh, c'est boîte. Eh oui, en ce moment les boîtes sont fermées, mais pas chez Boîte à Meubles. Boîte, ça aurait été mieux, non ? Boîte à meubles, non ? Oh, après, c'est les modérateurs, hein. Faut qu'ils puissent faire la commande rapide, etc. Boîte. Voilà. C'est bien, Mimi, en plus, est en train de le faire. Ah, mais t'es en train d'effacer ? Bah, il l'a effacé, mais. Il va peut-être la refaire. J'en demande trop, c'est ça. Ah, je peux faire ma pub ou pas ? Parce qu'il y a Gravity qui me pose des questions. Oui, bien sûr. Ok. Là, je suis sur un petit projet de château de style roman. Voilà. Oubliez le petit. Un château. Ok, on va dire château, c'est bon. Ah oui, oui, je t'ai pas envoyé l'image. Ah là là. Oh, le projet. Oh là là. Ah, je suis content. Ah, demain, il y a du posage de blocs là. Hein. Oh là là. Attends, voyez ça. Je pourrais l'envoyer à Mimi. Qui la mettre sur le stream ou... Yes. Ça occupe un peu les modérateurs, tu sais, des fois ils s'ennuient un peu. S'ils mettent le permis, sinon. L'image de ma construction, Quisto, ouais, je peux la remontrer un petit peu, ouais.
Voilà l'image d'inspiration principale. Il y en a d'autres, mais celle-ci, elle est... C'est vraiment celle qui m'inspire le plus. Et donc, pour l'instant, on est vraiment qu'au balbutiement, hein, parce que sur l'image, là, clairement, vous ne pouvez pas voir ce que je suis en train de faire. Sauf à le deviner dans l'espèce de d'enchevêtrement, de, d'échafaudage et de passerelle qu'on devine sous les bâtiments, en fait. Voilà, c'est ça, là, ce que je suis en train de faire. Bon, c'est inspiré, hein, c'est pas une reproduction. Hein. Mais c'est très largement inspiré. Alors, il y a cher Harry qui laisse Minish s'occuper de la commande, ça me fait rire comment il galère. Voilà, tu vois, en plus, c'est le modérateur qui se tient dans les pattes. C'est bien. Hop. Alors. Chuchotement n'a pas été envoyé. Ah, je peux pas envoyer le lien en MP sur les chuchotements. Ah bon? Ajouter un ami. Mimich, tu seras mon ami. Pauvre Mimich, la reine des commandes n'est pas sympa avec ça. Dirait un village de contes de fées. Je sais pas si j'utiliserai cette comparaison. Sauf si dans Contes de fées, t'intègres vraiment les mille et une nuits. Moi, ça, le côté Moyen-Orient, tu vois, ça me fait penser à mille et une nuits, par exemple. Et il y a plus ce qu'il faut. Hop. T'as envoyé l'image dans Mimich. J'ai eu la permission de Lucide de lui prendre dans ses coffres. Là, j'avais déjà la permission avant, donc cool. Elle la farm beaucoup, donc. Donc Lucide, il n'a plus aucune ressource. Ah, yeah. Bah, en vrai, je lui ai promis une construction, donc. Et elle m'a offert en plus de ça des diamants. Comme quoi. Ouh. Lucide. Alors j'affiche ton inspiration, du coup. Ah, plaisir. Gentil. On n'est plus tout à fait sur du roman, là, non? Non, mais je. Bah, il a vécu plusieurs époques. Hein. Ouais, non, mais c'est intéressant. Du vécu. Je pourrais pas te dire ce qu'est le style, ça. Hein. Bah, ouais, parce que c'est pas du gothique, mais. C'est pas du roman non plus. C'est peut-être. Simplement une revisite. Des châteaux forts, tu vois, genre à l'époque romantique, ou. Par exemple, des reconstitutions, ou des restaurations, entre guillemets, qui ont eu lieu au 19e siècle. Qui avait une vision romantique du Moyen-Âge. Notamment les toitures. Je trouve ça assez... il y en avait des toitures pointues comme ça, mais les toitures rondes sur les échauguettes, là, enfin sur les petites tourelles sur les côtés, je trouve ça étonnant. Mais je peux me tromper, hein, je suis pas un spécialiste. Bah après, je crois que c'était après le... 12e, non, je sais plus. Après 12e siècle, ils ont fait des tours rondes. 11e après. Attends, je sais plus. T'as pas le nom et le. Ah, la fiche wiki de cette tour. On va retrouver ça, le lien Pinterest. Ah, ok, c'est en Deutschland. Ça tombe bien, j'ai le jeu en allemand. Let's go. Non, attends, je sais pas comment on dit let's go en allemand, mais t'aurais dû dire let's go en allemand. Let's go, bah je l'ai pas. Château à Braunfels. Château à Braunfels, alors. Je vais vous envoyer le nom de que j'ai trouvé. Pas vu sur les images, mais ça doit être ça. J'ai trois lives d'ouvert, donc faut que je l'envoie sur le bon, c'est mieux. Hop. Ils m'ont mis ça sur Google Images. Que c'est bon. Ouais, c'est ça. La page wiki, ça donne quoi? Ils ont un wiki. Ouais, ils ont un wiki. Oh. En allemand. Las. Alors, j'ai pas la prononciation. Hein. Las uns gehen. Pour let's go en allemand. Mais avec une prononciation qui n'est pas bonne. Parce que je ne parle pas allemand. Sympa ces nouveaux blocs de Deep Slate là, c'est la première fois que je les utilise pour de vrai.
sont jolis. D'ailleurs, on switch de Camoran, comment ça? Oui, je suis repassé sur la Oranacam, ouais. Il était construit au 14e siècle et rénové jusqu'au 19e. Ouais, tu vois, 19e, ça m'étonne pas. Je trouve que ça fait style rénovation avec une vision un peu cliché du Moyen-Âge. Et embelli. Ouais, c'est très joli en tout cas. Ah oui, c'est très joli, hein. C'est non, pas une critique. Puis 14e siècle, ouais, on est déjà à l'époque gothique, hein, 14e siècle, mais peut-être pas en Allemagne, je sais pas. 1300, oui, on peut être potentiellement dans du gothique en 1300. J'ai recouvert une partie là, du puzzle. Pas beau. Alors je t'ai pas dit, boîte, mais c'est moi qui en ai mis une partie du puzzle. Ouais, il fallait bien faire du sapin. Hein. C'est ça. Et puis, en fait, cet après-midi, quand j'ai farmé du sapin, je me suis dit que j'allais farmer un peu de sapin dans les zones où il y avait déjà du puzzle. Donc, tout ouais. N'est pas de ma faute. Et puis surtout, je me suis dit, je vais faire ça près de la ferme à faire pour que ça spawn un peu dans le. Ah oui. Mais maintenant j'ai une technique pour repousser du sapin, pour que ça en réponde partout. Mais au-dessus d'un lac, au-dessus d'eau, en fait. Pour que ça se répande. Comment ça? Mais au-dessus d'une source d'eau, en fait. Bah si tu mets ta terre au milieu d'eau, en fait, ça va pas se répandre. D'accord. Moi j'ai fait pousser des 4x4. Oui, c'est ça, oui. Ok. Par contre, il y a plein d'accès à des cavernes, des grottes aménagées, donc je sais pas si je coupe du genre bouche. C'était l'ancien accès à Lucide, donc je vais peut-être leur boucher celui-ci. Ouais, c'est vrai, en espagnol, let's go, on dit vamos. Vamos. Vamos à la playa. D'accord. C'est la référence que tout le monde a. Je l'avais aussi, hein. Je voulais pas la faire. Trop cliché. Ah bah là, les clichés. Ouais. Dans le chat, ils ont osé. Ouais. Bah, bravo le chat. Je pense qu'ici, il manque un bloc. Qu'est-ce que j'ai merdouillé? C'est bizarre, mon truc. Mais j'ai du puzzle. Je pense qu'il manque un bloc ici. T'éclaire un petit peu pour pas que ça spawn. Par la terre, il m'entendait. Et du coup, s'il manque un bloc, ça veut dire qu'il en manque un ici aussi. Il en manque même deux en fait. Bon, récupérer deux. Yo. Alors maintenant, il faut que je fasse les leviers. Donc ça, j'en ai pas sur moi. On va les poser. On va aller faire les leviers. Tiens, et au passage, là, je pense que je peux enlever l'échafaudage parce que j'ai tout mis. Quoique, je vais l'enlever à la fin. Parce que on sait jamais. Si je m'aperçois après coup que j'ai fait un oubli.
Et tout ça, on va aller faire les leviers. I'm a single layer. Tu vois le délire un peu? D'accord, ok. Ah, ça va, c'était doux. Je m'attendais à ce que tu chantes ou. Bah, je chante. C'est toi qui chantais, pardon. En fait, je chante, mais là, si ouais, tu. Faut pas. C'est issu d'un clip? C'est pas issu d'un clip, non, c'est un montage. C'est parce qu'en fait j'ai toujours trouvé que à chaque fois que je mettais Lightmatica en single layer, ça me faisait penser à la chanson de Rihanna, non de plus non de Beyoncé. Oui. Et bref, du coup de là est parti ce délire. C'est du playback, ouais, exactement. Ouch. Ah, on a raté le bon étage. Crotte. On a plus que 3 cœurs. Bah zut. Ah oui. We're gonna die. Faudrait que tu te fasses un beacon, limite, non? Oui. Et oui, bien sûr. Ouais. Bah ouais. Moi j'ai piqué celui de Alms. Ah, je sais ce qui va me manquer que j'ai pas, c'est les. Que j'ai pas fait encore. C'est les lampes en redstone. Est-ce que j'ai assez? J'ai un tout petit peu de glowstone. Je sais même pas si j'ai de la glowstone parce que j'en avais farmé, mais vraiment tout petit peu. Et je crois que je l'avais laissé dans le spawn de la faction. Bon, j'irai chercher de la glowstone au pire. Et en même temps, j'irai régène. Voilà, il m'en faut pas beaucoup. Ouais. Pour cette portion-là, il doit m'en falloir une petite dizaine, même pas, de blocs. Et je peux le prendre à la faction. Sachant que j'en avais amené moi-même, donc. Ça me tue quoi là? Il y a quelques chemins dans le Nether, mais pour l'instant c'est juste des chemins, des trous dans le. Dans la Netherrack. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de chemin aménagé. Ah oui, c'est ça, ouais. Les cheminots ont commencé, mais ils n'ont pas, ouais, pas fini. C'est long à faire, hein, ce genre de truc. Alors, on arrive sur la partie intéressante, les amis. Partie avec la terracotta à la con. Et avec des escaliers en plus. On va mettre nos blocs de cuivre. Attention, ça va teinter le cuivre. Tu l'as déjà vieilli, là, le cuivre? Alors, il est Gewatch, Angelofen, Gershnitene, Cooper, Schöffelstoffer. Ouais, tes souhaits. Moi, j'aurais la même. Ouais. Oui, il est déjà waxé. Bah, tu sais, avec ma super machine. Bah oui, c'est ça. Trop bien, ça. On me dit, est-ce que j'irai pas régène avant? Ça peut être intéressant, parce que c'est pas utile. Par contre, je vais manquer. Ah, par contre, attends, faut que je fasse. Oh là là, faut que je crafte tous les blocs. De. Voilà, de Tropenbolschnam. Souhait aussi. Alors. Paf. Pif. Pouf. De commentary de haute volée. Paf, pouf. Il te faut te régence maintenant. Te régence. Deux. Je sais pas, écoute. Parce qu'il raconte. Il raconte n'importe quoi. Te régène, peut-être. Correction automatique. Mais oui, bien sûr. Le bébé. Ah non, tu manges pas ce haut là.
Minimapping. J'aime bien le holicube. Et puis non, en fait... Ouais, le wrench va vraiment me manquer là. Oui. En plus, le lightmatic il est pas bon. Parce qu'il y a eu des symétries et des rotations qui ont tout bousillé. Mais bon, là je sais ce que je veux faire, donc à la limite je m'en fous du lightmatic. Ouais, tu peux... Ah, pas cette grès. Ah, le gris. J'adore ce bloc, le gris lisse. Ah, je l'adore aussi. Tellement. C'est mieux que la terracotta pour le coup et la conquête. Bah du coup, c'est bien plus pâle. Ah, et depuis qu'ils ont ajouté le gris lisse en survie et le smooth quartz, moi j'utilise plus que ça. Ouais, encore le quartz de temps en temps je l'utilise sans smooth, mais la plupart du temps maintenant grès et quartz c'est en smooth. Mm. Ouais, moi j'aimerais bien construire en concrete, tu sais, mais pas celle en poudre en fait. Parce que la oui. Texture je la trouve géniale, le problème c'est que c'est gravité. Soumis à la gravité. Ah, c'est du cut cupper, ça c'est. Attends, si. Attends. Ouais. C'est quoi ce truc? Claire. C'est quoi ça? Rouge. On a hitmatique. Ah oui, c'est du rouge, oui, tout à fait, c'est du rouge. Stade avant, en fait. Ouais, pour. Le stade avant. Ouais. C'est une erreur de ta part, non? Non, c'est pas une erreur. Non, c'est volontaire. Ok. C'est volontaire parce que mes petits mes barrières en fait sont en fait je suis parti de l'idée que en fait les structures au sol plus exposées à la pluie, aux intempéries, etc. seraient légèrement rouillées, en plus j'aimais la couleur, enfin légèrement oxydées. Par contre les structures verticales, je suis parti du principe qu'elles seraient pas pas aussi abîmées. L'eau glisse. Et là, en fait, c'est vertical, si on veut. Enfin, bref. Ouais, j'adore le cuivre, mais je déteste le cuivre. C'est tellement compliqué, en fait, en survie. Oh là là. Ouais, je vais devoir l'oxyder de mien, mais... En fait, j'essaie de trouver un matériau que je pourrais utiliser en compensation, en fait. C'est que du cuivre. Merci Samu. Pas beau boîte. Mais ouais, le cuivre, faut que je fasse la même machine que toi. Bah non, c'est pas la même. Ah, en fait, t'étais pas là au tout début de mon stream. Ah non. Alors, flûte, je vais même pas avoir ça. Faut que j'aille chercher ça. Si tu as besoin de cuivre. Comme je l'utilise actuellement, tu sais, celui qui est coupé en 4 petites briquettes là. Oui. Si c'est celui-là que tu veux, surtout crafte-le dans le stone cutter. Ouais. Parce que ça te le multiplie par 4. Non. Et je le savais pas au début, et donc en fait, j'aurais pu avoir 4 fois plus de cuivre. Je l'ai appris que aujourd'hui. Ah, mais en fait, c'est. Ah oui. Ah oui. Donc je l'oxyde une fois en gros bloc et après. Oh, tu le fais quand tu veux en fait. Ça n'a pas d'importance. En fait. Mais si, nique le gros bloc, tu le mets dans la table de. Dans le stone cutter, ça t'en donne 4. Ah oui. Donc faudrait mieux l'oxyder une fois et l'oxyder 4 fois. T'as raison. T'as tout à fait raison. Mais c'est trop bien. T'as tout à fait raison, oui. Effectivement. Donc il vaut mieux oxyder les blocs pleins et les cutter après. C'est vrai. Tout à fait raison. Je crois que c'est l'avant-dernier, Michael. Toi, c'est l'avant-dernier que tu voudrais utiliser? Ah, il est plus relou à avoir. Mais en même temps, tu peux désoxyder avec un coup de hache, donc ça va encore. Mais désoxyder complètement. Ça désactive pas d'un stade. Si. Ah, si, ça désactive d'un stade. Bah, c'est bon. Moi aussi, je pensais que c'était pas le cas, mais si. Si, c'est pas mal en fait. Sinon, en fait. Ouais. Mais je laisse vieillir tout seul et puis. Ouais, je pense que c'est ça la solution. Moi, comme j'ai besoin du premier stade, finalement, j'ai fait la machine pour le waxer tout de suite. Comme ça, ça m'évite d'avoir à le désoxyder manuellement, en fait, pour chaque bloc. Mais toi, je pense que c'est mieux de le faire oxyder complètement, et puis hop, tu le... Pas pressé.
Voilà, oui, cher Ivary. Eh oui, on aurait pu faire ça. Merci, Boîte à Meux, de nous avoir aidé là-dessus. Bon, je vais chercher un peu de glowstone parce que je crois que j'en ai pas. Et régène. Et régène au passage. Et qu'est-ce que j'ai besoin d'autre ? Faut que je prenne du cuivre et que je le wax. Ça va être simple. Mais tu vois, regarde, c'est... Franchement, là, j'ai multiplié par 4 facilement. Trop bien. Ah, mais ça, c'est un craft vanilla ou c'est un craft... Non, c'est... Oui, c'est vanilla parce que, en fait, c'est sur les difficiles aventures que cette technique a été confirmée. Donc nous, on est en vanille, on n'a pas de data pack pour ça. On a trop le feu. Voilà, c'est waxé. Donc je vais chercher la glowstone parce que moi je crois que... Ah non, j'ai que dalle. Bon, j'ai de la redstone, mais j'ai pas de glowstone. Ah tiens, je peux dormir. Eh oui, chère Marie, t'as tout crafté. Du coup, ça va être plus long. Eh non, pas de fantôme, pas de corne. Oh, ce que c'est bien maintenant de pouvoir voyager en Elytra pour traverser la montagne. Oh. Moi j'attends Ralph, du coup. Ah, ça y est, t'as commencé à inonder. Nice. Oui, bien travaillé, t'as vu. Un petit peu. J'en ai le ladder. Je suis passé tellement vite en Elytra. Ah non, c'est bien. Ah, nice. Oh, y'a Lucide. Alors, glowstone, où est-ce que c'est? C'est là. Un stack, ça suffira pour l'instant. Trois heures que je m'occupe du lac, plus ou moins 3 heures. C'est vrai? Ouais. Déjà? Ouais, bah j'ai commencé un petit peu avant que tu sois là. Ouais, mon stream, ça fait 3 heures. Ouais. Allez, ouais, allez. Yes. Sauf que c'est stupide, il faut que je passe en dessous pour aller chercher le redstone. Et du coup, vraiment là, les Elytra, ça va me faire gagner un temps de fou. Clairement. J'aurais pu commencer sans les Elytra, mais là, vous voyez un petit peu le bordel. Tellement d'en avoir besoin. C'est à qui il faut que je demande sinon? Bah non, en fait il revient pas là, je pensais qu'il revenait le 30 en fait. Pour Alps? Ouais. Oui. Après Vartak il en avait plein en vente. Hein. Là il en a encore. Ah bah hier, alors je sais pas aujourd'hui, mais hier quand je suis passé il y en avait encore plein en vente. Hein. Oh mais je vais aller en commander. C'est 16, hein. 16 diamants. C'est vrai que demain avec le château, compliqué quoi. Et c'est Twikiro aussi qu'il faut que je reprenne, je voulais demander d'Avlak, j'ai vu qu'il l'avait. Mais je sais pas en quelle version il l'a. L'époque où je voulais l'installer, mais il n'était pas à jour. Je vais voir ce qu'il lui en reste, mais bon. Alps revient tout à l'heure. Il a mis ça sur le live de Roi. Oh. Ouais, mais bon, est-ce qu'il aura le temps? Bah non, on mettrait de dépenser 16 diamants, en fait. Parce que je les ai pas. Bah si, je les ai, mais... c'est celle Lucide, quoi. Elle me les a offert, ah, mais... Ah, d'accord. Pour ça, on m'a offert... Une vingtaine, je crois, hier. Ah ouais, mais généreuse, Lucide. Ouais, adorable. Elle aime bien, miner en ligne droite. Bah, moi j'aime bien, mais j'en ai pas tant que ça non plus. Quoi, qu'est-ce que donc j'ai besoin en fait? J'ai un escalier, hein, et de dalles. Petit coucou, Lucide. Bébé, tu vas tomber, bébé. Ton chat est tombé. Oui, Twikero est disponible, oui, mais c'était quelle version en fait? Là, je crois que vous voulez savoir. Ouais, c'est une version test, une version développement qui fonctionnait pas. Oh, c'est moi, il est waxé. Oups.
bon. C'est marrant, Lucide, elle est née juste avant le nouvel an. Mais non. Tous les jours son anniversaire. Je sais. Ah ok, je croyais que tu savais pas. Wax Cut Copper. Ouais mais on s'en fout, je peux mettre des dalles. Oui. C'est vrai, en fait c'est marrant parce que il y avait Pierre qui était sur le vocal, je suis passé à côté de son show, il a dit oh joyeux anniversaire chérie. Moi je vais joyeux anniversaire chérie. Je suis arrivé par plus savoir. Je fais sur la soupe ouais. Hop. C'est meilleur timing, marrant. Joyeux anniversaire avec la tête qui fait la gueule, Bazon. Non, c'est que c'était hier, ouais, il n'a pas sauté. Un truc que je n'ai pas et que ce soir je vais pas pouvoir mettre parce qu'à mon avis j'aurai pas assez de matériaux, c'est les paratonnerres. Je pense que j'ai plus assez de cuivre en lingots pour faire ça ce soir. T'en fous beaucoup ? Oui. Ouais, j'en ai besoin de beaucoup. J'irai refaire une session de. Ah quoi que j'en ai peut-être un peu, mais faut faire cuire. Ça va être trop long. Je voulais garder une petite réserve en bloc brut de copper brut, tu sais. Oui, c'est vrai. Bah pareil, j'ai pas trop envie de m'en servir, mais ah, je pense non. Que je vais pas avoir le choix de devoir toucher dans mes stocks. Non. Bon, finalement, j'ai mis en plus de mettre du copper dans mes sols avec la rotite d'air, de la corse d'air, la dirt. Je vais mettre du granit, ça rend bien, c'est dans le même ton de couleur. Pas bien. Bon, c'est là qu'on rigole pas. Pas dans le bon sens là. J'ai sauté un layer. Pas terrible hein, du coup. Mon chat est en train de me regarder. J'ai pas vu. J'ai tourné la tête. Il me fait peur. Auran est très concentré. Ah. Je suis surtout embêté par mon chat. Ah bah comme quoi, c'est l'heure.
Père Fox. Tiens. Ça s'appelle comment déjà ton chat? Tamriel. Tamriel. Ah. Une référence à Tezo? Alors oui et non. Alors oui, parce que c'est clairement dans Tezo, mais c'est surtout plus ancien que ça en fait. Tezo n'existait pas quand mon chat est né. C'est une référence à Morrowind. Ah non, mais quand je dis c'est The Elder Scrolls. Yes. Ouais, tout à fait. Ouais. Morrowind du coup, ouais. Yes. J'aime bien les références geek. Trop bien. Ça rend bien en plus. Tamriel. Ouais, personne n'arrive à le dire. La palme revient à... Alors bon, aux beaux-parents de mon beau-frère qui l'ont appelé Tagliatelle. Ça n'a rien à voir. Oui, ça m'a fait bien rire. Petit voxel, mignon. Et de quelle couleur ton chat? Il est gris. Gris et blanc. Mignon. J'adore les chats. Hop. En vrai, quand on a trouvé le sens, c'est pas si pire de faire toute la ligne. Ouais, t'as un pattern à mettre. Yep. Après là, je m'en fiche du Lightmatic. C'est pas, il est pas bon. Donc, tu le remettras après avec un... Non, non, là, je le mets directement au bien, là. Ah, mais oui, le Lightmatic t'indique le mauvais... Ouais. Ok, je comprends mieux. Ça avance bien, là, j'ai vraiment débloqué. Je bloque les paliers assez rapidement, là. Nice. J'ai pas lu dans le info là ce que Auré avait mis. Hop. Et entre le doc, là, là j'ai eu plein de messages sur Discord, je peux tout regarder. Alors, ici. Et ben voilà, ça se fait en fait. Alors ici par contre c'est pas bon. Yes. Parfait. Et là du coup... Voilà, là tu prends. Peut-être je vais devenir un pro des... Oh merde, j'ai pas assez. Oups, c'est le fail. Hop. En fait, j'ai régène sans vraiment tout régène. Bon, c'est pas grave. Régène un peu quand même, c'est essentiel. Facile à retenir, la flèche part du coin haut à gauche du bloc quand tu le places face à toi. Alors, il est minuit et demi, j'ai rien compris. Mais c'est pas grave. Ah mais il vient de parler de Black. Ah bon, j'ai pas entendu. Ah non, mais sur le jeu. Pour dire. Il s'en va. Non, il parlait de son design. Bonjour. Oh, c'est mignon. Toutes mes hélices de mon projet sont en neige poudreuse. Pire idée pour placer en survie. Ah oui. Oh punaise. Oui, j'avoue. moi j'ai placé en quartz, hein, c'est déjà pas mal. Il me faut des dalles en jungle. Attends, je reviens. Tu as l'engrenage avec une sorte de flèche dans le motif, donc si tu places ton bloc en face de toi, ça engrenage sur un coin en gauche ou à gauche. Ok, ouais, c'est plus clair. De toute façon, je vais finir par le connaître par cœur ce truc parce que c'est clairement quelque chose que je vais utiliser beaucoup. Après, là,
Je suis à 100% sûr de tout le pattern qu'on a fait, même si je vais l'étoffer, mais en tout cas je ne changerai pas. Je reviens. Non mais le chat, il se fout de ma gueule. Il a gratté pour que je lui ouvre et il n'est pas venu quand je lui ai ouvert. La partie supérieure du pattern, juste la couche au-dessus, je la trouve un poil chargée. Donc, donc on verra au moment où je rajouterai des aménagements extérieurs, des bancs, des fontaines, de la déco, des choses comme ça, pour voir si je modifierai pas un peu. Désolé, hein, il y a eu Tadjin. Je crois que c'est Tadjin. Il est venu en invisible avec sa musique. Oh, trop bien. J'ai loupé un épisode sur le chat, pardon. J'ai dû louper un truc. On a eu un petit raid tout à l'heure sur mon stream parce qu'on est 128. Ah bah, peut-être pas. De 128 sans raid, je pense que c'est probablement un record sur ma chaîne. Ça veut pas. J'ai l'impression qu'il y a un souci quelque part. Ah, flûte. Ça saurait dire ouf. Ah, voilà. Quel problème. Pas de raid, ok, nice. C'est pas moi qui suis famous, c'est Holycube. Ouais, c'est ce que j'ai remarqué aussi. J'ai pas encore streamé autre chose que du Holycube, donc vraiment les stats. Ah bah je suis pas sûr qu'il y aura 128 personnes demain, après-demain soir sur mon stream développement de jeux vidéo. Bah, c'est pas ta source, bah, c'est pas ce que tu fais d'habitude, c'est pour ça. Mais oui, je pense que Holycube, c'est la renommée Holycube. Hein. Yes. J'aimerais bien que les gens restent en fait. Mais les gens, ouais, les gens resteront un petit peu. Hein. Je peux te dire que même si les scores sont évidemment pas les mêmes, mais il y a quand même plus de gens sur mes streams. Beaucoup de gens m'ont découvert grâce à Holycube, mais sont quand même restés aussi pour d'autres contenus en fait. Hein, et parmi mes viewers les plus. Parmi les plus fidèles de ces dernières années, il y a des gens qui m'ont découvert grâce à Holycube, donc... Ouh là là, j'ai plus que 3 coeurs. T'as bien fait dans la gêne. Ah bah... Clairement, oui. Sinon, je serais mort. Ouais. Moi, c'est pour ça que moi, après, donc, du coup, en plus de Holycube, j'ai envie de faire d'autres projets à côté. Yes. Mais voilà, de ne pas appartenir à Holycube. Bah, de ne pas avoir cette image de membre de Holycube. Je vais avoir. Bah, je vais avoir me créer ma propre étiquette en fait. Yes. Et c'est ce que je m'étais dit aussi quand j'ai rejoint une team de construction. J'aimais pas trop la renommée d'être dans une team. Et. Attends, je me mute. Ouais. Du coup, ouais, quitter la team, ça m'a permis de me développer et me donner une image, en fait. Généralement, ceux qui se disent... ceux qui travaillent dans des équipes, tu vois le travail global de l'équipe. Alors que moi, je suis plus un builder solitaire. Donc, moi, j'ai ma propre image comme ça. Ouais. Si t'as compris ce que je veux dire. Yes. Après, moi c'est aussi hein, sur Holycube, quand je l'ai rejoint, je me suis dit que je ferais pas que du Holycube. Donc c'est pour ça que j'ai continué à jouer sur mon serveur. Alors je dis perso, même s'il ne m'appartient pas que à moi, mais en tout cas c'est moi qui l'ai fondé, Difficile Aventure. Et puis, j'ai toujours voulu faire d'autres jeux, même si je fais beaucoup de Minecraft, mais de temps en temps je fais d'autres trucs. Et puis, donc voilà, ça. C'est bien aussi.
Ouais. De varier, je trouve. Ouais. Bon, voilà. Il me manque les paratonnerres, mais on va voir ce qu'on peut crafter, mais je suis pas sûr de pouvoir en crafter beaucoup. Il va manquer de cuivre, je pense. Le replay mode est gratuit, il a toujours été gratuit, c'est juste que si tu veux l'avoir un petit peu plus tôt, tu peux être Patreon, donc soutenir financièrement les développeurs. Et dans ce cas-là, t'as accès aux versions bêta, aux versions... Ah, et clairement, je vais pas avoir assez de cuivre. J'ai fait 6 lightning rods. Nice. Évidemment, on peut pas décrafter le cuivre. Non. Ah si, on peut. Ah si. On peut. Décrafter le cuivre. Ouais, on peut décrafter le cuivre. Ça en donne combien? Bah, ça en donne 9. Enfin, c'est... Ah, ouais. Pas le dupliquer, du coup. Bah si, tu peux le dupliquer. Ça se duplique, du coup. Bah non, parce que ça, tu peux pas le décrafter. Le gros bloc, il en faut 9 pour le faire. Ouais, mais ça, tu peux pas le décrafter. Non, ah, tu peux attends, pas. C'est lequel que tu... Celui que j'ai décrafté, c'est le bloc plein. Ah ok, ouais, pardon, ouf. Non, tu peux pas décrafter. Hop. Tedios, moi c'est Juju sur Onlycube qui m'a fait découvrir les difficiles aventures. Eh ouais, à l'époque. Yes. Yes. Bah, c'est rigolo parce que bah, toi tu dois pas connaître l'histoire, moi t'as même... Mais... Dis-moi. En fait, moi quand je me suis lancé sur Onlycube, sur YouTube... j'avais dans l'idée de copier Onlycube et donc de créer un serveur sur Vivania, mais c'était l'époque de la saison 1 d'Onlycube. Ouais. Et donc il y avait sur la saison 1 d'Onlycube un joueur que j'appréciais beaucoup, c'est Juju. Et en fait, il a découvert le jeu Hearthstone. Ah, oui. Et à l'époque, il fallait pour rejoindre Hearthstone avoir une clé pendant la bêta. Et j'ai gagné des clés. Donc en fait, j'ai proposé à Juju de les offrir lors d'un de ses streams. Ouais. Et à cette occasion, il m'a dit, bah écoute, si tu veux faire ta pub pour ta chaîne YouTube, j'avais à l'époque même pas 100 abos. Et donc du coup, en fait, grâce à lui, j'ai eu mes 100 premiers abonnés, si tu veux. Et c'est comme ça que j'ai connu pour la première fois quelqu'un qui était sur Onlycube. Et c'est comme ça que bah, Juju... a découvert aussi de fil en aiguille les difficiles aventures, mais à l'époque c'était un serveur qui avait genre 3 mois d'existence, j'étais pas seul mais presque, enfin bon bref, c'était le début du début du début de... Dans quelle année du coup? 2013. Ouais. Oh. Et donc bref, peu après Juju a rejoint les difficiles aventures et a quitté Onlycube, mais... Et l'histoire est compliquée. Mais en tout cas, ouais, c'est grâce à lui que j'ai eu mes 100 premiers abos. Chouette. Et du coup, l'équipe, tu l'as rejoint à la saison 5. Ouais. Mais avant ça, il y a Clintwood et Mila qui sont. Enfin, Mila d'abord. Qui a rejoint la saison 3 et qui était membre des Difficiles Aventures. Clintwood qui a rejoint la saison 4, qui était aussi membre des Difficiles Aventures. D'accord. Ah oui. Donc, et maintenant il y a Daft qui est membre des Difficiles Aventures. C'est vrai. Donc c'est vrai. Même si Mila et Clintwood ne jouent plus, on est quand même 5. Non, 4. 4 des Difficiles Aventures et sur l'équipe, donc ça fait plaisir. Ouais, clairement. Ouais. Trop bien. Non, c'est un vieux serveur, hein. Difficile d'aventure aussi. Hein. Yes. Et puis bon, on n'est pas très très connu, mais Quand même, on a une petite réputation, quoi. Ouais, c'est ça. Complètement, oui. Donc ça fait plaisir. Ouais. Bon, je suis pas builder je suis pas dans un style moderne, donc c'est le genre de build qui me
Je trouve ça joli, mais je trouve pas. Ah ouais, non, mais c'est très. C'est marrant comme. C'est un style. C'est un des styles, je trouve, qui partage le plus la communauté. Toi, ouais. tu dis que tu fais du médiéval. Bah, ça, c'est. Ça. Ça... T'as évidemment plusieurs façons de faire du médiéval, plus ou moins réussi, tout ça, mais ça ne divise pas la communauté. Enfin, t'as pas des gens qui. T'as peu de gens qui vont te dire. Je suis un joueur de Minecraft, mais j'aime pas le médiéval sur Minecraft, quoi. Alors par contre le contemporain ouais c'est quelque chose qui divise plus. Ouais. Mais ça me gêne pas. Moi je construisais pas du tout en médiéval ou en contemporain au tout début. J'ai appris à apprécier en fait. J'aime beaucoup. Mais je reconnais que c'est assez particulier, c'est différent. Je trouve les patterns sont assez répétitifs. Ouais. Les blocs palettes sont pas très diversifiés. Ouais, maintenant on fait quand même mieux. Au début ouais. C'était souvent vrai, hein, mais je trouve qu'avec tous les nouveaux blocs qu'on a, on a quand même... Bon bah voilà, une grosse variété. Bon bah écoutez, bien content parce que j'ai fini la petite L que je voulais faire. On va virer le bloc de bouse là, le truc de bouse. Et en tout cas, on va virer le côté droit. Regardez à gauche parce que de toute façon à gauche on aura besoin pour continuer. Alors je récupère ma torte. Moi des trucs touchés. Bah si je vais avoir le temps de tout boucher là. Voilà clairement. Je suis désolé boîte, mais à minuit 40, je ne vais pas venir te filer de coup de main. Ouais, non, mais je pense que je devais farmer à la base ce soir. Rien fait de ce que je voulais. Heureusement que j'ai Lucide qui veut bien me passer des blocs, donc ça m'empêche de... Bah, ça m'évite d'aller farmer. Même si j'aimerais bien récupérer mes propres ressources, mais j'ai du mal à faire tout à la fois. Ah, c'est compliqué, hein. Ah ouais, mais... Oh, difficile. Bon, c'est vide. Ah, c'est quasiment vide. Un coup quick. Ça va, un coup quick. Hop, allez, je viens là au Ranakam. Ah mince. Hop. Et bah écoutez, les amis. Il exploite Lucide, c'est vrai, chiot. Complètement raison. Saison 1 Juju. Alors attention Mimich, Juju était dans la saison 1 d'Olicube, mais il ne faisait pas partie des difficiles aventures à ce moment-là. Il ne la rejoint que plus tard. Bon bah voilà, ça y est, je suis bien content. Il y a mes premiers patterns de cité volante en survie sur le serveur. Ça fait plaisir. Donc on est sur quelque chose de très répétitif et basique. Hein. Donc c'est ça que je vous disais, j'étais pas absolument convaincu, c'est cette barrière. Je pense qu'il faudra que je lui apporte de la variété, mais ce sera plus facile de le faire quand il y aura des bâtiments, parce que forcément il y aura des entrées pour les bâtiments, donc forcément la barrière à certains endroits sera ouverte. Je mettrai probablement des petits bancs, je mettrai de la verdure aussi, des fontaines, donc, mais ça je le ferai plus tard quand j'aurai une surface un peu plus importante et surtout comme je disais des bâtiments. J'ai un truc à te proposer d'ailleurs sur ça, parce que j'aimerais bien que tu exploites les hauteurs, même si ça va être compliqué, de mettre genre des petits escaliers sur les côtés qui donnent accès à des passerelles un peu surélevées, tenues avec des piliers. Ouais, je pense que je vais le faire, ouais. Parce que clairement, en fait là, avec les routes comme ça, je vais me définir des plots en fait. Et à l'intérieur des plots, je vais varier pas mal la hauteur des bâtiments. Donc ce sera tout à fait faisable de rajouter des passerelles en fait, qui permettent de passer d'un plot à l'autre par-dessus déjà. Et du coup de rajouter des escaliers aussi. Ouais. Je te donnerai, si tu veux, je viendrai te donner un coup de main, pas de construire spécialement, mais... mettre des petites idées par-ci par-là si jamais tu as besoin. Yep, pas de soucis. Très envie. Hop. Donne un coup de main. Alors descends. Voilà. Bon, faites pas attention au chemin de bouse, évidemment.
C'est chouette, j'adore les lys. J'adore. Hop. Hop, je me cache. Voilà, que vous voyez un peu mieux. C'est moins évident. Et donc là, ouais, on voit. Là, on voit vraiment ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on est sur quelque chose d'assez sombre en dessous, mais pour faire ressortir les hélices et les autres éléments de voile et d'hélices que je mettrai sous la structure. Et après, quand on est par-dessus, c'est assez marron, assez chaud, des couleurs chaudes, et puis il y aura les couleurs vives et plus claires pour les bâtiments. Ça sera chaotique ou géométrique l'organisation des bâtiments au-dessus. Ce sera plutôt géométrique. Comme je disais, ce seront des plots. Donc il y aura quand même une organisation assez géométrique. Mais à l'intérieur des plots, j'aimerais bien que ça dégage quand même une impression de... pas si géométrique que ça, je sais pas trop comment le définir, mais comme c'est un steampunk oriental, pensez un petit peu à un souk avec des maisons assez anarchiques, enfin je sais pas comment dire, la construction avec des petites ruelles, etc. Je pense qu'à l'intérieur des plots, il y aura cet aspect là un peu. Alors, j'essaierai. Ouais, un peu chargé. Yes. On s'y perdrait. Ouais, mais à l'intérieur des plots, parce qu'après sinon, pour un souci d'organisation de la cité volante, on en parlait tout à l'heure, d'équilibre des masses et tout, il faut quand même, je trouve, qu'il y ait une certaine structure pour que la cité paraisse cohérente, quoi. Si c'est vraiment trop le bordel, visible. On se dirait, bon, attends, comment tu veux que ça vole, quoi. Alors que là, si on voit au niveau des pales qu'il y a une certaine symétrie dans la répartition, tout ça, tu dis, ah ouais, bon, ça peut être porteur, quoi. Ouais. Voilà, des étoiles tendues, des trucs comme ça. Ouais, des îles, des ailes horizontales, un peu style biplan en fait. Oui. Avec deux niveaux, il y a ça dans le jeu vidéo, j'invente pas, hein, je m'inspire des concepts que j'ai vus. Voilà. Et vu dessus, ça donne ça, c'est pas mal aussi. Hein. Trop bien, moi j'aime beaucoup. Hein. Voilà, là, on voit pas mal. Là. Énormément. Voilà, voilà. Ah, c'est ce que je peux faire. Voilà, j'ai pas d'accès. Alors, je prends des risques parce que ça se trouve, je vais crever en faisant ça. Attendez. Je vais essayer de me poser dans les échafaudages, mais... Et voilà, sans prendre de dégâts. Et là, j'aime vraiment beaucoup. C'est pas ça que je veux faire. Voilà. J'aime vraiment beaucoup le fait d'avoir mis les meules. Je trouve que là, on a l'impression d'être dans une structure un peu de dirigeable. Je trouve. Oui. Avec donc le côté très aérien, mais on ne peut pas tomber, sauf à. Même en sautant. On peut pas tomber là. Quand on est là, on peut pas tomber du tout. C'est très sécure. Mais. Ça donne pas l'impression d'être très sécure. Faudra surtout bien éclairer en bas. Non, pas tant que ça. Pas un peu, hein, mais pas tant que ça, parce qu'en fait la lumière elle passe à travers les trappes et elle passe à travers les barrières, je crois. Pas tant que ça. Puis je m'en fous si ça se pose en dessous, moi, je vis pas en dessous. Après tu ouvres une trappe et tu meurs. Oui. Oui. Mais c'est pas censé être des trappes. C'est censé être des passerelles. Donc d'un point de vue RP, c'est pas des trappes. Pas des trappes. Comme d'un point de vue RP, c'est pas des meules. Hein. C'est des... Pas des meules. Voilà, c'est des structures de soutien renforcées. Tu vois. Bon, d'ailleurs, on va ouvrir... Attends, on va ouvrir une trappe pour faire genre le mec qui s'éclipse. Attention. Ah oui, non, bah après, il va falloir que je la referme. Non, c'est la fausse bonne idée. Après, il faut que je revienne pour la refermer, c'est chiant. Donc non. Ah bah c'est pas grave. Ah non, ça l'ouvre comment? Ça l'ouvre vers le bas ou vers le haut? Ah non, ça l'ouvrira vers le haut.
Bah si c'est vers l'eau, c'est bon. Bah non. En tombant, tu peux la... Ah oui, la rejouer le ski. Non mais regarde, je le saute de là et puis c'est bon. Je vais au bout du... la construction pour l'instant. C'est faisable aussi. Bon. Et bah du coup... merci à tous d'avoir suivi ce stream, d'avoir été extrêmement nombreux, ça me fait très très plaisir pour ce dernier stream de l'année en ce qui me concerne. Oui. Rendez-vous demain chez Boitameux, lui il stream encore jusqu'au bout de l'année, mais moi c'est mon dernier stream pour l'année. On se retrouve donc en 2021 sur un stream sur AstroTerre et le retour de Holicube sur ma chaîne, ce sera dimanche soir. Alors, je ne sais pas encore ce qu'on fera dimanche soir, est-ce qu'on fera le symétrique de l'autre côté, est-ce qu'on partira sur autre chose, on verra bien. On est en début de partie, hein, donc j'ai pas tant de matériaux que ça, faudrait que je retourne farmer, hein, que ce soit du diamant, que ce soit du cuivre. Là, rien que pour faire un huitième, enfin, c'est un peu plus que un huitième, mais c'est pas beaucoup plus que un huitième de la partie centrale de ma base. On a consommé quand même beaucoup de mes ressources, donc il m'en reste, mais par exemple je vais manquer de cuivre. Donc clairement, il faut farmer, hein, c'est un début de survie, donc ça fait partie du jeu. Passez de bonnes fêtes, un bon réveillon, les amis. Profitez bien de la soirée et amusez-vous bien avec qui que vous soyez. Et du coup, on va faire un petit raid, le dernier raid de l'année. C'est beau, dit comme ça. Hein. C'est beau, dit comme ça, sauf que j'ai pas Twitch de lancer, donc je sais même pas qui est-ce qui stream. Attends. Regardez dans la team, hein, si tu veux. Molicube. Davlek. Et ben, on va raid Davlek, je pense. Ah, quoi qu'il y a beaucoup de monde chez Davlek. Non, on va raid Bahazon. Il a moins de monde. Yes. Allez, du coup, on fait un petit raid sur Bahazon. C'est bon. Et bah voilà. Merci beaucoup, Boîte à Meux, de m'avoir accompagné. Merci énormément, Mickaël, pour les 50 bits. Bonne nuit, Oran. À demain, à l'année prochaine. Yes. Merci beaucoup. Cat. Merci à la modération également, j'ai vu que vous aviez dû modérer ce soir. Merci Mimich pour toutes les commandes que t'as créées. Merci, allez, du coup on se retrouve pour la prochaine année. Ciao 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 tout le monde.